Une production du Studio SF. Bonjour. Allô? Là, Liz n'est pas là parce qu'elle filait pas, mais Liz, elle a fait le podcast au complet avec nous. Et aujourd'hui, on va parler de polyamour. Mais avant ça, on aimerait remercier nos commentateurs, nos présentateurs, Eros. Et compagnie. Yes. Qui vous donne un code de 15% avec le code sexe oral. Que vous avez dit tantôt que vous preniez souvent. Ben, on est fan de l'Eros. Ouais, un strap-on, ben nice. Et vous êtes venu aujourd'hui nous parler de votre couple. Ben, on a pas un couple. Ben, nous, on est en couple, ouais, effectivement, couple, mais moi, je suis en couple plusieurs fois. Fait ouais, c'est ça. Polyamour. Donc, c'est aujourd'hui, on parle de ça et avec Lisanne. Et après ça, on a fait un méchant bon after show avec des très bonnes questions pour compléter ça. Fait que, bon podcast, amusez-vous et merci encore d'être là. Plaisir, bon podcast. Amusez-vous. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Shop Santé. On est vraiment contentes. C'est le début d'une longue collaboration avec eux. On vient juste de recevoir les produits, fait qu'on va les essayer, puis au fil du temps, on va vous revenir et vous en parler. On a choisi différents produits dépendant de nos besoins. Il y en a quelques-uns qu'on a de similaires, mais en plus de ça, on a reçu nos beaux bandeaux de même là, pour faire nos petits exercices, nos belles bouteilles d'eau. Mais on a ça, que c'est 100% recyclable, by the way, les trucs. On a le magnésium comme supplément pour aider à dormir ça, les petits bonnes nuits. Puis ça, c'est pas... Il y a pas de mélatonine dedans, fait que c'est moins forcé un peu comme sommeil. Puis c'est ça. Ici, on a des suppléments pour femmes. Après ça, toi, qu'est-ce que j'ai? Ouais, si vous voulez plus d'informations, tout est disponible sur leur site Internet, en passant. OK. J'ai choisi, moi, le collagène marin. Donc, c'est vraiment pour le maintien de l'élasticité de la peau. Ça améliore mes cheveux parce que, étant maman, j'ai perdu la moitié de mes cheveux. Fait que, puis c'est bon aussi pour mes ongles. C'est vraiment pour tout ça. Puis il y a plein d'autres bienfaits que vous allez pouvoir lire. J'ai choisi aussi l'estradia qui est pour la diminution du gras du bas du corps et de la cellulite. Et, clairement, c'est pour ça que j'ai choisi, c'est l'augmentation de la libido. Libido! Parce qu'on en veut toujours plus, hein, tu sais. Seigneur. Le Virixia, ça c'est pour support. C'est pour les hommes. Oui, ben c'est la même chose pour les performances masculines. Ouais. Fait que c'est pour la libido, mais aussi pour avoir de meilleures érections, de meilleures performances. J'ai très hâte que lui et chacun vous popez vos pilules là, dans la chambre. On dit bébé à papa soir. Puis Green Berries, c'est optimiser le système immunitaire. Donc, que j'ai vraiment, clairement besoin en ce moment parce que je pogne toutes les maudites cochonneries de ma fille qui est à la garderie. Je pogne toutes, ma barnouche. Merci beaucoup, Shop Santé. Merci, on est très contentes de collaborer avec vous. Et c'est ça. On vous revient. Shop Santé. Je te dis. Merci beaucoup. On vous aime. Bon podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par nos amoureux d'amour, Manscaped, toujours fidèles au poste, qui ont sorti leur nouvelle boxeur. Vraiment, ben, premièrement, pour vrai, c'est pas juste pour les garçons ou les. C'est pour tout le monde, parce que moi, je prends tout le temps ces boxeurs-là. Ils sont super douces. Et c'est des boxeurs qui ont été conçus, en fait, à la base pour éviter que ça te gratte. Pique, je sais pas, après le rasage. Fait que tu sois une personne avec un vagin ou un pénis. Puis si tu te rases les parties intimes, ben, tu vas aimer ces boxeurs-là parce que c'est vraiment doux, ça c'est confortable. Puis même si tu danses ou tu bouges avec, là, tu vas être confort. C'est super bon aussi pour les personnes qui font du sport. Donc ça respire très bien. On les aime, ces boxeurs-là. De plus, ils offrent plusieurs couleurs, designs, grandeurs. Fait que c'est vraiment pour tout le monde, tous les goûts. Il y en a, c'est toi qui décides comment tu veux tes boxeurs, puis de quelle grandeur que tu les veux aussi. Et Manscaped offre un rabais de 20% avec le code sexoral et la livraison gratuite. Fait que mon podcast, c'est merci Manscaped pour vos beaux produits. Incroyable. Merci. Allô! Allô! Bonjour! Bonjour! Salut! C'est là, comme Liz a dit tantôt, c'est la première fois qu'on reçoit un couple. Ever au podcast.
Est-ce que on peut commencer par genre vous définir rapidement, mettons, là? Vous définir. Ben genre comment vous vous identifiez, votre couple, vous-même. Ok, oui, parfait. Ouais. Votre histoire. Ben écoute, ben moi je m'appelle Xavier Barriot, j'ai 20 ans et je m'identifie comme homme, mais j'écoute, je m'habille comme je veux, puis je m'en crisse. Parfait. Puis c'est ça. Parfait. J'aime ça. Puis toi? Moi, c'est Ellie, puis je m'identifie comme femme aussi, donc ouais. Ça va. T'as oublié de dire qu'on est fucking queer les deux, puis ouais, ça, je on pense que ça a un rapport queer. Avec ouais. Un peu ce qu'on va parler. Mm-hmm. Ouais. Mais c'est ça, puis notre couple, ben, on est un couple, là, je veux dire, il n'y a pas de, okay. De nom spécial. Mm-hmm. Mais vous êtes queer, genre, vous êtes, est-ce que vous vous considérez comme, parce que c'est ça, là, mm-hmm. On est des vieux. Moi, des queer. Mais non, mais je pense qu'on est on a le même âge, je pense. Mm-hmm. Ah, c'est vrai? Moi, j'ai 24. Toi, non, 24, mais on est vieux dans le sens genre que... 27, on... okay, je suis un peu... Okay, mm-hmm. Mais, OK, fait est-ce que vous considérez comme pan, bi, ou vous n'avez pas nécessairement de terme? Ou... Moi, le mot que je préfère utiliser pour m'identifier, c'est queer, parce que c'est vraiment un terme parapluie qui peut recouvrir plein d'affaires. Okay. Pendant un long moment, je pensais que j'étais entièrement gay ou même genre asexuel, mais okay. Turns out que non. Turns out que vraiment pas. Non, hein. Mais ouais, c'est ça que j'utilise pour m'identifier. OK. Mm. Moi, ça a varié, là. J'ai passé de bi à pan à bi à queer. Mais je trouve vraiment aussi que queer, c'est plus, comme tu dis, parapluie, genre. Mm-hmm. C'est ça que je... Queer, dans le fond, c'est que c'est... Pourquoi c'est par tout ce parle qui pas n'est pas... Mm-hmm. Dans le fond, je pense, sans la définition, c'est tout ce qui n'est pas hétéro. Mm-hmm. OK. C'est ça. Puis okay. À la base aussi, c'était aussi une insulte, comme c'était quoi de... d'un peu pas rapport, un peu de quoi de bizarre que la communauté, c'est comme... C'est réapproprié pour... Okay, c'est ça voulait dire genre t'es weird. T'es... Mais je pensais que, que queer, c'est une communauté. Que ouais, ben, c'est une communauté, c'est mais je savais pas qu'on pouvait, tu sais, dire je suis ça. Mais maintenant, je en fait, dans... on dit beaucoup la communauté queer ouais. Pour comme englober la communauté LGBTQ+, etc., je pense, là. Ouais. J'espère que je me trompe pas, mais en tout cas. Ben, c'est cool parce que ça te permet aussi de changer dans ton évolution c'est au ça. Travers t'es de... T'es pas obligé de changer de mot tout le temps. C'est comme. Ça. C'est ça vrai. Fait c'est comme ça. Ouais. Plus facile. C'est ça. Ouais, vraiment. Juste, on est des hommes qui vagabondent le monde. Le sens puis vous aimez de... l'être humain. Puis exact. Ouais, c'est ça. On aime ça. Tout le monde. Mais pas... Le sexe opposé, par exemple. Oui, non, ben pourquoi tu ben oui. Oui, 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 dit queer, oui, c'est tout sauf hétéro. C'est ouais. Ça, fait que tu peux être bi, pan. C'est ça. C'est ça l'affaire, ah, on ça, est dans une ça. Relation qui a l'air hétéro, straight mais... Straight passing, en fait, mais non. Non. OK. Juste avant qu'on embarque ben, dans la discussion, ouais. Parce que je sais que je vais l'oublier, mm-hmm. Mais ça m'a accroché quand tu as dit tu pensais que tu étais asexué. Oui. Asexuel. Asexuel, ouais. Excusez. L'autre, c'est une plante. Mm-hmm. Calme. Oui. La botanique. Va. Je vais finir par le savoir, asexuel. Donc, comment tu comment ça c'est... Ben, honnêtement, c'est quand même gros. C'est que dans le fond, il y a un moment dans ma vie où j'étais vraiment pas sûr de ce que j'étais. Puis aussi, j'étais très déprimé. Puis c'est souvent la dépression vient comme juste un manque de libido. Et puis, mais ça a duré très longtemps. Puis c'est pour ça que comme le sexe, j'avais comme peur de ça. Puis, mais je pense que Ellie peut confirmer que j'ai... rapidement très changé, puis j'ai eu une évolution de personnage quand même... Pas asexuel, quand même finalement, la personne. Ouais, c'est ça, puis ouais, quand même fulgurante, et ouais, ben c'est ça. Mais... Est-ce qu'au début, vous vous êtes rencontrés, puis tu y avais dit que t'étais asexuel? Mais ça, c'était avant qu'on se rencontre, ouais. C'est, okay. C'est ça, ouais. Okay. Mais moi, en tout cas, parce qu'on était amis avant d'être en couple, puis j'ai pensé longtemps que t'étais juste gay, là, fait que c'est pour ça que moi, j'avais comme pas... penser. En tout cas, on pourra en parler plus. Là. Ouais, mais ça a été quoi le switch, mettons? Ouais, je sais pas. Hein. Dans le fond, j'ai comme envie de commencer plus au début là, pour vous mettre en contexte. Là. Bon, ouais. OK. Fait que moi, Ellie, j'ai un chum qui s'appelle Will. Salut Will. Allô Will. On lui dit allô. Sacré Will, Great Will. Great Will. Les belles mains. Ça fait 4 ans que j'étais avec. Puis, dans le fond, à un moment donné, on a comme décidé qu'on était polyamoureux. Là. Je pourrais revenir là-dessus, l'expliquer plus en détail. Là. Mais ça donne que dans cette période-là, ben, j'ai rencontré Xav. Et d'autres personnes aussi, puis qu'à un moment donné, notre amitié est juste devenue super blurry, je pense. Ouais. Genre, on se frenchait un peu trop ouais, avec des amis. On allait dans des parties, puis on se frenchait, tu sais, on s'isolait du monde, puis comme on... Ouais. C'est... On se frenchait à terre sur un hood de char. Ouais, à côté d'un bar miteux. Ben, non, pas miteux, great bar, là, mais... ouais. C'était toujours comme ambigu, puis aussi, moi, de mon côté... c'est ben en fait pas de notre côté en fait on a comme commencé à avoir je vais m'en aller là-dedans on a commencé à développer un crush comme une attirance envers
tous les deux le même gars qui justement a commencé à travailler à la place qu'on travaille. Puis c'était comme, moi dans ma tête, tu sais, Ellie, ça n'avait pas de vraiment de Dieu pour moi. Tu sais, c'était vraiment juste comme ses fringes puis tout ça. Je prenais un peu comme justement avec le polyamour, il y a une certaine... Il y a une certaine liberté, tu sais, que comme justement, tu peux aller voir ailleurs, mm-hmm, mettons, tu sais. Puis je pouvais ça un peu là-dedans, puis je me pensais que c'était juste ça. Puis ouais, fait que j'avais... Fait qu'on est comme tombé en amour avec le même gars, ouais. Bref. OK, complètement tombé en amour. Ouais, c'était... Mais puis moi, je l'ai daté, mm-hmm, ce gars-là, plus. Parce que, en tout cas, c'est compliqué. Mais attends, lui qui était en couple depuis 4 ans? Non, un autre. C'est OK, ça. Attends, il y en a d'autres. C'est ça, on donne-tu un nom fictif, genre ben, Jonathan, mettons? OK, Jonathan. Il s'appelle Jonathan. Ouais, il s'appelle Jonathan, tu sais. Ben bref, c'est ça. Moi, j'ai commencé à dater Jonathan, genre, à la fin de l'été passé. Mm-hmm. Puis c'était comme un peu ma première expérience polyamour, dans le sens que j'ai eu des affaires, là. Mais vraiment que là, je suis comme, OK, j'essaie d'avoir une relation. C'était comme la première fois. Puis, meanwhile, ben, tu sais, il y avait Xav qui était mon ami. Puis, genre, à un moment donné, il m'a comme avoué, ben oui, mais moi, je suis en amour aussi avec. Puis, j'étais comme, OK, parfait. Peux-tu faire une parenthèse? Ouais. C'est qu'entre-temps, moi, avec Jonathan, j'étais en train de développer une relation comme. C'est ça, là. Amicale, mais vraiment. Mais c'était ambigu aussi. Ouais, vraiment ambigu. Comme que, tu sais, des fois, on dormait tous les deux dans le même lit. Puis, genre, on se mettait à se masser, genre, la main, mais comme c'était hot, là. Je veux pas, même si ça a comme vraiment mal fini. Puis comme il y a des fois, tu sais, on faisait, à un moment donné, moi puis Ellie, on avait comme une invité des amis chez nous, puis justement, Jonathan était là, Ellie était là, puis là, finalement, la soirée finie, c'était juste nous trois, puis on a fini dans ma chambre, puis on s'est mis à jaser, on a tout un peu bu. En bobette. Ouais, en bobette, puis on s'est mis à jouer genre de la musique, du saxophone tout nu, genre, puis c'était hot. Wow. Puis là, on a cassé comme couché dans mon lit. Puis là, genre, je me rappelle, tu sais, parce que Ellie s'est vaccinée pour le COVID le lendemain à fucking tôt, puis elle était rendue 5h du matin, puis genre le rendez-vous était comme à 8h, et on était comme, bon, on va se coucher, puis honnêtement, une chance, ça n'a pas été plus loin, parce que ça aurait été un peu toxique, là, mais je me rappelle juste, comme, on allait se coucher, puis genre, j'ai essayé de checker les deux, puis j'ai fait, genre, j'ai essayé frenching un à un, puis j'aurais dit, Chris, je suis en train de tomber en amour avec vous, mais comme, ouais. Et puis moi, le lendemain, deux jours plus tard, je partais... 2 semaines, ça coordonne avec Will. Ouais. Tout le long, j'étais comme... T'étais en train de tomber en amour avec Xavier. Je comprenais pas trop ce qui s'était passé, honnêtement, à ce moment-là. Mais tu sais, moi, j'avais l'autre gars aussi dans la tête, que je devais dater. En tout cas, c'était compliqué, là. Puis j'étais genre... Ouais, on dirait que je suis mélangée dans les... On peut-tu, mettons, donner des numéros ou je sais pas? OK, Will, c'est son chum depuis 4 ans. C'est OK, Will, c'est lui qu'on n'a pas parlé encore. Ben, voulez-vous qu'on explique? Ouais, on peut faire ça, là, parce que ça va être plus facile pour la suite. Là. Allons-y. On va mettre parce que là, j'ai compris, toi, puis Jonathan. Mm-hmm. Là, Will, là, il était pas là. Non, il était pas là. OK. Lui, il dormait bien Will, là, dans ma chambre. Ouais. C'est ton chum principal. Mettons le numéro 1, exemple. Il n'y a pas de principal. Il n'y a pas de principal. Ah, c'est ça. C'est ça, sa nuance. Pas des... OK. Il n'y en a pas un plus important que l'autre. C'est juste... C'est un les deux. Ah, fait que c'est comme si tu disais votre famille, c'est ça? Mm-hmm. C'est un peu ça. Okay. Mais c'est ça. Fait que là, OK, on va faire une carte. Premièrement, mettons dans le polyamour, tu as ce qu'on appelle un polycule. C'est un peu genre la constellation de gens. Polycule. Ouais. Okay. Faut comme penser à, tu sais, mettons des atomes, là, tout interreliés, je vois. Ouais. Fait que t'as comme, tu sais, si on faisait un dessin, mais je mettrais moi, je ferais une petite ligne vers Xav. Un arbre généalogique. Un peu, mais tu sais, on sait pas enfanter parce que ça serait weird. Mais mettons la version facile. C'est ça. Ouais. Fait que bon, il y a moi avec Will, il y a moi avec Xav. Puis là, maintenant, Will a une blonde aussi qui s'appelle Lucie. Allô, Lucie? Allô, Lucie. On vous aime. Fait qu'on est comme 4, principalement, genre, interreliés, mais Xav ne date pas Lucie, mm-hmm. Xav ne date pas Will, je ne date pas Lucie, genre. Mm-hmm. OK. Tu comprends? Puis Jonathan, il n'est plus dans l'équation. Ouais, non, si on en reparlera, là, il n'est plus dans l'équation. Ça aurait pu, mais non. OK. Mm. Puis toi, est-ce que tu pourrais être avec quelqu'un d'autre? Est-ce que toi, tu es polyamoureux aussi? Oui, moi, je suis... Ben, c'est quoi déjà le terme? Il y a un... Monopoly, c'est ça? C'est ça, il y a un terme qui est monopoly, c'est comme tu es dans une relation monogame dans un polycule, mm-hmm. C'est bien ça. En ce moment, comme moi, mieux que je sors seulement avec Ellie. Mais c'est pas monogame, parce que... Ah, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est pas de la monogamie, non. Mais comme mieux que je sors seulement avec Ellie, c'est ta seule blonde, mais tu te permets quand même d'aller voir ailleurs. Voilà, mais pour l'instant, mieux qu'on est comme dans notre... Tu sais, ça fait...
un peu plus d'un an qu'on se connaît, mais ça fait environ 5 mois qu'on sort ensemble. Je suis comme honnêtement, je suis vraiment dans ce que Ellie appelle la phase lune de miel, puis c'est vraiment j'ai envie de dire c'est mon âme sœur là. Puis je peux pas en ce moment me permettre émotionnellement de donner de l'énergie à d'autres personnes, tu sais. Mais comme mettons, tu sais, je fais juste un parallèle avec ça, ma relation avec Will. Tu sais, c'était pas genre en partant non plus qu'on s'est mis à être en amour avec d'autres personnes. T'sais, on a développé une confiance, puis comme on était fucking grounded dans notre relation avant d'ouvrir. T'sais. Vous avez été combien de temps ensemble avant d'ouvrir? Ben, c'est vague, parce que moi, mettons, après 3 mois, bien sûr, sur une terrasse, j'ai dit « Ah, tu pourrais frencher du monde n'importe où, ça te tente? » Puis il était comme « Ouais, ouais. » Puis là, mais ça a pris du temps, puis finalement, à peu près... Après 2 ans, là, on essayait des affaires, puis comme tranquillement, c'est devenu ça, genre. Puis est-ce que c'est toi qui as approché l'idée de tomber en amour? Parce que je sais qu'il y a quand même une différence entre, mettons, avoir du sexe avec d'autres personnes puis là, avoir des sentiments amoureux pour d'autres. Ça, c'est comme une ligne que c'est pas tout le monde qui est prêt à franchir. Mais ça comme, j'ai envie de dire, ça s'est fait tout seul. Okay. Dans le fond, c'est ça, il y a tellement d'histoires à raconter. Ben là, mais oui, on est là pour ça. Moi puis Will, on a habité avec un de nos amis, genre pendant un bout, les trois. Puis c'est devenu weird, ben pas weird, là, mais genre, ça, c'est devenu compliqué à ce moment-là. Parce que c'était comme pendant la COVID, puis tout, puis on était tout le temps les trois ensemble, 24/24. Puis genre, on faisait des soirées, puis comme, c'était ambigu tout ça. Puis c'est juste comme, on dirait à partir de ça, tu sais, avant, mettons, Frenchait du monde, puis tout. Mais à partir de ça, ça s'est comme ouvert tranquillement, parce qu'on. Moi, cet ami-là, genre, j'avais des sentiments pour lui, puis comme. C'est tellement weird parce que des fois Will il dormait puis il travaillait le lendemain puis moi puis notre coloc genre on se frenchait dans le divan puis tout genre mais Will, est-ce que Will est il savait est puis hétéro? Oui, il était hétéro mais il a été comme en questionnement longtemps. OK. Mais là il est pas mal sûr qu'il est hétéro mais tu sais. OK. C'est ça. OK. Voilà, mais comme pendant un bout même eux ensemble, tu sais, c'était pas clair là. Okay. Il se passait des affaires des affaires le fun pendant la COVID. Ouais. OK, wow. C'est ça. Mais à un moment donné, tu sais, cet ami-là qu'on porte tous dans notre cœur. Et il s'est passé de quoi avec Xav ouais, aussi? C'est ça, c'est ça j'ai couché avec cet ami-là aussi. C'est ça qui est... Qui, c'est comme c'est une toile d'araignée. Vraiment. Ça, mais tu sais, cet ami-là, il est reparti. Puis là, quand il est reparti, moi puis Will, je me souviens, on a eu une conversation genre dans le char. On était comme, OK, là, tu sais... Parce que j'y avais dit, j'avais eu des sentiments pour l'ami. Puis j'étais comme, bon, ben... Mais il me semble qu'on est rendu là. Il était comme ouais. Okay. Fait que, c'est resté de même, finalement, comme de fait, ben, dans l'été, j'ai rencontré Jonathan. Jonathan. Puis là, Jonathan. Ça s'est passé. Tu sais. Puis éventuellement, Will, genre cet automne, il a rencontré Lucie, puis elle est devenue sa blonde. Puis je sais pas, ça s'est fait vraiment naturellement, on dirait. OK. Il n'y a pas eu de personne, parce que là, ça a l'air tout facile, puis easy, puis tout le monde. Mais y a-tu des gens là-dedans qui ont eu la difficulté avec le fait que vous pouvez aimer d'autres personnes. C'est ça l'affaire, Jonathan. C'est, comme je dis, ça, il n'est plus dans l'équation. Là. C'est un bon exemple de quelque chose qui n'a pas marché. C'est une personne qui n'était pas capable de communiquer ce qu'il voulait vraiment au point où il faisait juste nous dire, dans le fond, ce qu'on voulait. Justement, on y a parlé il n'y a pas longtemps. Il y a comme eu un gros vide où ce qu'on ne voyait plus. Puis c'est moi, puis Léon, on vivait notre vie. Puis entre-temps, c'est ça. Ce qui est wack, c'est que. Nous, on est full dans la communication, puis on pensait que lui aussi, ce qu'il nous disait, il pensait, puis qu'il était bon là-dedans, à un certain point. C'est, mais à un moment donné, il est comme parti un peu hors de nulle part. Il est parti pendant genre 3 mois en voyage au Saguenay, tu sais, mettons, puis il a rencontré quelqu'un, puis il nous l'a pas dit, puis il est revenu pour justement break up avec Ellie. Et dans un party, puis c'était vraiment froid, c'était vraiment distant. Il est rentré à place, il n'a même pas pris la peine de détacher ses bottes. Ça a duré 5 minutes, puis il est parti. Puis comme c'était vraiment pas clair. Mais lui, mettons, si je peux, te couper. Il était comme pas tant down avec le polyamour, mais on dirait que vu qu'il avait envie d'essayer, puis il nous aimait beaucoup, il a comme essayé quelque chose, mais il a pas eu genre. Il a pas était capable de communiquer que finalement c'était pas pour lui. Puis tu sais, je pense que c'est comme la base vraiment de ça, c'est d'être capable de tout se dire. Parce que là, c'est là que ça marche pas. Tu sais, mettons, Will, au début, genre, on s'est tout dit au fur et à mesure. Puis tu sais, il savait là, quand je frenchais l'autre dans le divan. Tout le monde savait tout le temps. On le cachait pas non plus. Non, c'est ça. Là. Puis tu sais, quand toi, t'es tombé en amour avec. C'est ça. Puis Jonathan, j'y ai. À un moment donné, ça a pris du temps parce que genre on avait une fucking belle amitié, puis j'avais peur de ruiner ça en venant ajouter comme un
l'aspect romantique de la chose, mais attends, il y avait tu sais on s'était déjà frenché dans les parties, puis comme c'était vraiment ambigu là, c'était pas clair à mine. Non. Puis ben comme on est ben j'ai pris mon courage à deux mains, puis genre j'ai avoué que crime je l'aimais pas juste en ami, puis je pensais vraiment qu'à ce point-là dans notre amitié là, il aurait été capable de me dire non, genre je peux pas, puis comme ça aurait été bien correct qu'il me dise non là, j'aurais tellement bien pris, puis c'est juste comme, il fallait que moi je le sorte pour ma propre santé mentale, parce qu'à un moment donné, garder ça en dedans pendant autant longtemps, genre, je broyais du noir, tu sais. Fait que, surtout aussi, dans ce que j'ai pas dit. C'est ça, fait qu'il fallait que ça sorte. Fait que quand j'y ai admis, il m'a dit que c'était réciproque, puis il m'a dit que ça allait, ça, on va voir ça va aller. C'est maintenant qu'on le sait tous les deux, on peut genre se cruiser, puis comme. Mais en même temps, c'était la première relation que l'un et l'autre avaient du même sexe, fait que c'est un peu stressant. Moi, je vais être honnête, comme. Je pense que j'ai un peu plus la misère avec le même sexe, mais c'est juste parce que ça, j'étais un peu gêné. Puis... T'es plus à l'aise dans les relations, genre, mettons, avec les femmes ou ben, les... Ben, même à ça. Ben, même pas à tant. Ça. Je suis quand même gêné à la base en vie, mais c'est juste vraiment, Ellie, comme, on se comprend tellement à un point que ça peut être gossant, genre. On a comme, on aurait dit qu'on a la même construction psyché des fois. Des twin flames. Ouais, ouais, de la télépathie, ça, vraiment, ouais. Tout le temps. Ah ouais, tout hein. C'est ça, Jonathan, quand j'ai dit que j'avais des sentiments, il m'a dit que c'était réciproque, nanana. Puis finalement, ben comme, pff, ça niaisait. Puis comme, je me suis dit, ça servait à quoi tout ça. Puis il y a une histoire entre temps qui est comme, il t'avait texté. Puis, ouais, en tout cas, longue ça, histoire, là, mais ouais. Bref. Finalement, j'étais juste une expérience pour reprendre ces mots, tu sais. Oh, ouais, ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment un poche. Mauvais exemple. Ouais. Faites pas ça, mais bon. Non. Mais communiquer. Lui, il se considérait queer ou. Ben, c'est ça. Il m'avait dit qu'il était. Moi, je me rappelle, il m'a dit très clairement de ces mots. Ben, c'est sûr que oui. Je sais que, genre, je serais intéressé par des gars, puis tu sais, je suis un gars, fait que, puis je m'identifie comme gars, fait que... Moi, je pense qu'il a comme pris peur à cause de ça, puis il s'est sauvé dans une relation super straight pour, comme, oublier un peu, genre. Okay. Puis il l'a dit, c'est devenu trop sérieux pour lui, puis ça l'a fait peur. Peut-être la peur du jugement, peut-être, je sais pas, si sa famille... Non, c'est ça, je pense pas qu'il était rendu là. C'est ça, peut-être que Manny va réaliser que... Ou peut-être pas, ou peut-être qu'il a vraiment juste réalisé que c'était pas pour lui. C'est juste dommage, parce que nous, on y a offert un peu un plateau d'argent, puis ça. Ça, mais c'est ça qui. Tu sais, ça aurait pu devenir une situation où il y aurait eu un trouble, là. Genre, je sais pas si vous êtes à l'aise avec le terme, là. Un couple à trois, dans le fond. Les trois sont ensemble. Les trois seulement. Oui, OK, c'est ça. Fait que trois personnes qui. Mais, c'est ça. Vous, mettons, vous étiez peut-être un trouble. Puis est-ce que les trois, vous pouvez avoir aussi. Fait que là, c'est ça que tu disais tantôt, que là, vous êtes rendu avec une famille. Ben, c'est un peu ça. Ouais. Mais ça. Elle a un chum, sa fille en banlieue, elle comprend rien. Ah ouais, la gymnastique mentale. Il y a quand même une gymnastique mentale. Ben oui, à chaque personne qu'on en parle, ils ont cette réaction. C'est correct, mais. C'est pas la. Il y a des fois dans les parties où on sort un tableau blanc, puis on fait des choses. Oh my god, à un moment donné, dans un party, genre, j'étais comme. J'étais saoule un peu, puis il y a du monde qui venait me voir, ouais, nanana, dans un pellicule, puis j'ai comme, OK, tout le monde! J'ai pris genre un sac de chips, un charpie, puis j'ai dessiné genre la constellation de gens, puis tout le monde était comme, OK! Ouais. C'est sûr que c'est. Mais c'est énormément d'abondance. C'est l'abondance d'émotions, d'amour, de sexualité, de tout, mais c'est. Tellement. L'abondance, ça peut faire vraiment peur. Ouais. C'est pas tout le monde qui est à l'aise d'avoir beaucoup. Moi, il y a quelque chose que Ellie m'a dit qui m'a mind blown il y a pas longtemps, là. Tu sais, l'affaire avec la liberté, là. Ah oui. Ça, là. OK. Pour bien. Moi, j'ai comme. C'était une petite bulle de cerveau que peut-être ça va vous faire comprendre un peu, genre, comment que nous, on pense dans le polyamour versus les gens en monogamie. J'avais c'est pas dit... même nécessairement un versus, c'est non, juste versus, comme les juste deux sont choses, fucking valides. Exact. Voilà. J'avais dit, moi. J'ai comme choisi d'être de faire face à des émotions plus confrontantes plus souvent en échange de la liberté puis comme de l'amour comme infini quasiment de plein de monde versus genre des gens tu sais qui choisissent de pas avoir les émotions confrontantes peut-être plus confortable là-dedans émotionnellement mais ne pas avoir autant de liberté puis tu sais c'est deux choses complètement valides c'est juste genre choisir qu'est-ce dans tous les choix qu'on fait il faut choisir c'est quoi? Il y a quelqu'un qui disait que peu importe dans ta vie, tu vas avoir des. Pas des regrets, mais
c'est comme tu dois choisir entre la moins pire des deux, c'est pas ça, la meilleure. C'est comme tu vas avoir de toute façon des challenges. Exact. Faut juste c'est bon, que ça. C'est quel challenge que tu es à l'aise de d'avoir, de prendre. Mm-hmm. C'est-tu les challenges de Chris, je vais parler puis tout, puis je vais communiquer, puis je vais passer au travers pour avoir toute cette abondance là, ou c'est je vais me rester mon petit cocon, on va garder sa tête, mais Chris, j'ai ma personne. C'est chacun choisit ce qui fait du bien. Mais c'est t'sais. Tellement correct, puis je pense qu'il y a autant de façons de vivre des relations que de personnes. Exactement. Vraiment. Puis, il n'y a pas de script. Là. C'est ça. Non. Puis, si je peux continuer là-dedans, là, moi, mettons, j'ai eu quand même plusieurs relations longues avant d'être avec Will puis d'être avec Xav. Puis j'avais vraiment un pattern là, de je finissais par tomber en amour avec quelqu'un, je trompais la personne à qui j'étais, puis je m'en allais. Mais j'avais pas le choix de m'en aller parce que, tu sais. J'étais en amour avec la nouvelle personne, j'ai trompé l'autre, pas le choix, tu sais. Alors que là, c'est comme un game changer de pouvoir juste tout dire à tout le monde. Il n'y en a pas de problème, tout le monde se parle, tout le monde s'aime. Tu peux garder ton chum que t'aimes, puis tu peux expérimenter. C'est ça, puis au final, ça aurait pu ne rien donner, puis donner juste genre du sexe, par exemple. Mais là, finalement, ça donne comme une relation amoureuse complètement insane, en plus d'une autre relation amoureuse complètement insane. Fait que genre... Quand t'as appris l'existence de Lucie... Oui. Comment ça a été? Ça a-tu été tout de suite comme « Yeah, je suis contente pour toi! » Non, pas tout de suite. Mais genre, oui puis non. Mettons, je me rappelle, on était à un party, année 2000. Ouais, le thème était année 2000, ouais. C'était incroyable. Parce que on était au-dessus. Ouais, de Britney Spears, puis... Elle était tout genre denim realness, elle était toute habillée en jeans, puis c'était sick. En tout cas, bref, au-dessus de la place où on travaille, il y a un énorme appart, puis il y a tout le temps des parties thématiques. C'est ça, c'est le vortex de monde queer puis gauche. C'est ça. Fait que je me souviens, on était au party année 2000, puis là, genre... Will est venu me voir, puis il avait spoté Lucie. Il était comme, oh my god, genre la fille avec les cheveux bleus, elle est belle. Puis j'étais comme, ouais, fucking show, what the fuck. Je peux-tu dire de quoi, moi aussi? Aussi j'avais dit à Lucie que je la trouvais toi aussi, on avait tous buzzé sur elle. Parce qu'il y avait un jeu, puis monnaie, genre, on doit dire une vérité à quelqu'un, en tout cas. Puis comme, à un moment donné, j'avais donné à Lucie, puis j'ai dit, je te trouve quand même. Ouais, vraiment moi aussi, j'avais fait à Lucie, j'avais amené la pièce de monnaie, en tout cas. Fait que là, puis là finalement, deux jours plus tard, Will me dit, hey, la fille, genre, j'ai fou le parler au party, je vais la demander en date. J'étais même parfait. Fait que là, ils vont en date. Puis je me souviens, je leur avais comme laissé l'appart parce que c'était genre un lundi, puis à Rivière-du-Loup, parce qu'on vient de Rivière-du-Loup, il n'y a rien de voir le lundi. Fait que ils sont allés genre à un bar de marde qui fermait à 8 heures, puis sont revenus. Puis moi, j'étais chez des amis en attendant, puis je me souviens, j'attendais. Puis j'étais comme, bon, je peux-tu retourner chez nous? Genre, il va falloir que je couche ici, genre, je sais pas, tu sais. C'est fucked up! Oui, mais tu sais, c'était ma décision de faire ça, là. Tu sais, j'aurais pu faire comme, mais non, là, vous allez faire vos affaires ailleurs. Mais j'étais comme, non, prenez la part maintenant. Tu sais, j'étais fou, là. C'est nice. Mais ça qui est cool, ça, on y reviendra aussi, mais tu sais, genre, ça reste que le lit chez moi, puis Will, il est utilisé beaucoup. Ouais. Ça, c'est ça. Et puis, ça a tellement changé parce qu'au début, c'était une de vos règles. Oui. C'était comme, pas dans on le couche, tu sais, on peut amener n'importe quoi, mais pas dans le lit chez eux. Ça a pris une semaine, ça a pris le bord. Voilà, là, c'est rendu le lit communiste. Le lit communiste. Comme on l'appelle. Ouais. C'est tout le monde va là-dedans. Ouais, le lit commun. C'est ça, mais tu sais, jamais on a même une boîte de condoms. Ouais, genre, la boîte de condoms. Quand quelqu'un achète des condoms, déjà, yes. En tout cas. Des fois, ça arrive qu'on en manque d'eau, c'est un peu plate. Ouais, genre l'autre fois, en tout cas. Des fois, on ouvre le tiroir, il y en a plus, tabarnak, les autres, ils ont fini, tu sais. Fait que, y a-t-il une règle que tout le monde doit utiliser une capote, vu que. Ben oui, c'est sa base, là. Ah ouais. Ben oui. Okay. À part, moi puis Will, on en prend pas parce que genre ça fait 4 ans qu'on est ensemble puis on n'avait jamais pris, tu sais. OK, ben, mais vous ensemble, nous ensemble, ouais, on en prend. Ouais. Toujours. Ah ouais, OK. Ouais, c'est juste genre de la base. Ouais, on n'y est pas avec la santé puis ton pH. Là. Ben non. Thank you. Oh, ouais, wow, en tout cas, mais pour revenir à l'histoire avec Lucie, là, oui. Fait que là, j'attendais puis j'étais comme, OK, oh my god, qu'est-ce que ça. Puis tu sais, finalement. À un moment donné, j'étais tannée, fait, j'étais comme, je peux-tu revenir? Puis là, je suis arrivée, il était dans le salon, il buvait une bière, puis j'étais comme, hey, salut, je vais aller gamer dans ma chambre. J'étais allée gamer dans ma chambre. Mais c'était pas parce que je voulais pas leur parler ou tout, je voulais vraiment les laisser tranquilles. Ouais. Puis finalement, ils se sont donné des petits becs, puis tout, puis là, elle est partie. Puis de fil en aiguille, ils se sont datés, puis à un moment donné, j'ai appris qu'ils avaient couché ensemble. J'étais comme, ah, OK. Sur le coup, ça m'avait fait, genre, c'était la première fois que lui il allait voir. Tu sais, que c'était plus sérieux. Puis, il avait déjà couché avec quelqu'un avant, puis tout, puis moi aussi, mais genre là, c'était comme, OK, va dater, ça va être sa blonde sûrement. C'est-tu lui le premier à avoir une blonde ou c'est toi qui as eu un chum qui est sorti avec? Tu sais, moi, avec Jonathan, là, c'était comme pas clair, mais c'était pas mal mon chum, là, dans le fond. Okay. Mais comme, c'était pas super clair encore. Puis finalement, ça s'est officialisé, moi et Xav, Will et Lucie, la même soirée. Ça, c'est quand même vraiment... Hey, genre, au jour de l'an. Ouais, on a eu...
Ah, ça, c'était great. Parce qu'on a tout comme... on s'est tous rendus dans une espèce de... Les choses étaient alignées, vraiment. On s'est tous rendus genre dans un chalet au milieu de la forêt, puis on a tout fait... On peut-tu parler de ça? Ouais, on peut-tu parler de drogue? On a tout fait de la MD, puis... C'est votre expérience. On a tout fait de la MD, puis comme c'était le fun, puis genre, il y avait aussi d'autres amis, puis... Ouais, ça, on était une grosse gang dans un chalet, puis ça a juste à donner que... Ouais, ça s'est tout passé. Tout s'est passé en même temps. Genre, à un moment donné, on se prépare dans une chambre, comme, je suis Mais toi, ça, c'est tellement drôle. Excuse-moi, mais l'affaire de comme... J'ai couché avec ma nouvelle blonde dans le lit d'enfance de son meilleur ami avec qui elle a couché puis avec qui j'ai aussi couché. En tout cas, gars, c'est ça qu'on dit, il y a trop de liens. Ouais. Mais est-ce que vous avez des fois, là, mettons exemple, justement, les deux, il y a d'autres mondes. Est-ce que il y a Oh, Joanie, on t'a-tu perdu? Non. Vous l'avez brisé. On l'a brisé. Moi, honnêtement, j'aurais dû prendre mes petites pilules de concentration. C'est pas grave. Mais je te ferai un dessin. Je pensais pas qu'il y avait autant de monde, c'est pour ça. Moi, je pensais qu'il y avait trois personnes. C'est pas grave. Dans tous les cas, mettons là, que t'aimes quelqu'un, puis lui aime quelqu'un. Est-ce que c'est commun, puis ça va-tu rester un stress quand même que l'autre tombe en amour, comme là, justement, tu disais avec Lucie? Ton stress à toi, c'est le fait qu'il tombe en amour avec elle, puis qu'elle, mettons, elle ne veut pas être dans ce type de relation. Ça, c'est vraiment une bonne question. C'est fou, une bonne question, parce que Lucie, comme de fait, elle est monogame avec Will, puis elle n'en veut pas d'autres relations. Fait qu'elle est arrivée dans la relation que moi, j'avais déjà, puis elle s'est full adaptée, là. Honnêtement, elle est fucking great, là. Genre, elle a juste comme go with the flow, puis comme... Elle a annoncé à ses parents, elle est française, fait que genre, elle a dit à sa famille en France, genre, ouais, je date un gars qui a une blonde, puis ils sont comme, ok, parfait. Puis genre, elle veut pas d'autres relations, là, puis c'est correct comme ça. C'est sûr, des fois, je pense que c'est un challenge pour elle aussi, mais tu sais, tout le monde se parle. Ok. Tiens à dire, genre, c'est fucking great parce que c'est la première fois qu'elle est dans une relation comme ça, tu sais, polyamoureuse, puis comme, elle a tellement get vite. C'est assez informé, puis tu sais, on était toutes là pour elle. Puis genre, moi aussi, en même temps, tu sais, on se matchait dans le sens que comme moi aussi, c'était quoi le niveau, mais... Ouais. Une autre question. Ouais. En fait, j'en ai deux, mais on va y aller avec l'autre, parce que maintenant, mettons que vous aimeriez habiter ensemble, là, les lignes avec les autres, qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils vont où? Ben, on en a pas. Comme une maison générationnelle qui aurait comme. Moi, je suis vraiment genre go with the flow une journée à la fois. Là. Je sais même pas où je vais être où la semaine prochaine. Tu vois, moi, je pense full la plupart de vous. Je suis comme, oh mon god, le bébé. Non, mais c'est ça. Ça, on en a déjà parlé. Ça, c'est une autre affaire à dire, mais on va finir ça à la maison avant. Oui, finir à la maison avant. C'est que, en ce moment, honnêtement, ce qu'on a, je pense, c'est le best qu'on pourrait pas avoir. On habite tout à côté, genre. C'est ça, c'est parce qu'on habite à une minute. Il suffit d'avoir sa bulle. Il peut dormir tout seul. Puis comme. C'est souvent, genre, mettons, toi, Ellie peut aller dormir avec Will, puis Lucie, genre, peut aller à son appart, mais non, Will peut aller dormir à l'appart à Lucie, puis Elisabeth, c'est ça, il y a toujours une solution, là. Puis, mais moi, j'avais comme, moi, j'ai de l'utopie, là, dans ma tête, j'ai une utopie de genre, tu sais, une genre de grosse maison de campagne, là, avec un gros terrain, puis on pourrait chacun avoir notre petite yurte ou notre petite affaire, puis genre, on a tout comme une communauté. Genre maison intergénérationnelle, mais maison interpollicule, tu sais, je sais pas, là, mais je pense que tout se peut un peu. Ça, vous avez jamais eu la discussion, tout le monde, est-ce que vous faites des fois des soirées que vous tout ensemble? Pas les quatre ensemble, mais tu sais, je n'ai parlé à Xavier, j'ai parlé à Will, je sais que Will en a parlé à Lucie, j'ai parlé à moi, puis tu sais, ça serait... Finalement, tout le monde le sait, là. Mais ça, l'affaire du bébé, ça, là, c'est parce que... Moi, là, OK, parenthèse. J'ai étudié en accompagnement à la naissance, là, fait que je suis passionnée par l'accouchement des bébés, toutes les affaires. Bon. Puis moi, l'année passée, genre, quand on a commencé à se connaître, moi, là, j'étais pas la même personne. J'étais buzzée, je voulais un bébé. Puis genre, je forçais Will, pas je le forçais, mais j'étais comme, oh my god, c'est là que ça se passe. Non, mais ça a pris du temps, hein. Oui. Puis à un moment donné, il était comme, ah oui, je suis prêt, nanana. Puis comme, on voulait un bébé, on avait planifié, genre, OK, à l'automne, on fait un bébé. Puis. Finalement, il s'est passé tellement d'affaires, puis je me suis claqué une petite dépression à côté. Puis l'été était assez intense aussi. C'était. Fait que finalement, j'ai comme laissé. Il y avait de la drogue pas mal. C'était le travail, le party. C'était comme plein de nouvelles relations romantiques pas claires. C'est ça. Mais là, on a l'air d'être sa grosse drogue. Mais vraiment. Non, vraiment pas, c'est ça. Hey, on est vraiment chill. Mais bref, fait que finalement, j'ai comme remis à plus tard. Mais tu sais, c'est quelque chose que je veux encore, puis c'est quelque chose que Will veut encore. Puis moi, je suis pas fermée à l'idée d'avoir un bébé avec l'autre. Tu sais, genre, je sais pas, je suis comme...
on est comme vraiment hippie, là, puis je pense. Moi, puis moi, pour ma part, là, je m'en contre-ficherais que ce soit mon enfant, celui à Will. Genre, je veux l'aimer comme si c'était le mien. Ben, comme, c'est ça, genre, je suis tellement d'âme que cet enfant-là ait genre deux papas, une maman ou deux mamans, tu sais, ouais, comme... On s'en fout, là. Tu sais, moi, pour ma part, moi-même, j'ai eu mes parents... Mon papa est homosexuel, fait que j'ai deux papas, puis je trouve ça fucking cool, comme... Puis aussi, il y a l'aspect de communauté qui est comme... L'enfant a pas juste un maman, un papa. Il a accès à plein d'expériences. Fait qu'il y a tellement... Mm-hmm. Une façon de grandir oui. riche en point de vue puis en connaissance ben que ouais. qu'une je trouve vous pouvez me contredire qu'une relation monogame c'est plus difficile d'avoir. Ben tu sais c'est l'équivalent je trouve d'avoir des parents moraines mais ouais. juste qui seraient tout le temps là. C'est ça. Ouais, c'est mon frère c'est tout ça chez ben lui. Sérieux oui là puis tu sais moi j'en ai pas de frères et sœurs direct de mon âge mettons. Mm-hmm. Je sais pas je trouve que non, t'as des gens tout le temps proches, puis ouais. C'est sûr ouais, que... c'est ça. Mais c'est pour Lucie, c'est ça, je me demande. Ouais. Mais je sais qu'elle, en tout cas, je vais pas parler pour elle, parce qu'elle est pas là, mm-hmm. mais je sais que ça a été un stress, genre, des fois, elle pense à ça, tu sais, au fait, ouais. « OK, my God, mon chum, il voulait avoir un bébé, genre, il y a pas longtemps, qu'est-ce qu'il va faire? » Elle, je pense qu'elle en veut pas, en fond, fait que... Mm-hmm. OK. Mais tu sais, ça, on « figure it out » à chaque jour, puis... Ou Lucie qui veut un bébé mm-hmm. avec Will. Mais ça, moi, écoute, j'en ai rien à foutre, c'est parfait. Mais ça, c'est correct, mais après ça, que... Des fois, ça peut. Ah, en tout cas, moi, on dirait que je pense à plein d'affaires. Mais c'est ça, on va voir en temps et lieu. Puis je pense que simple, dans le fond, tant que tout le monde est ouvert, puis tout le monde est. Tu sais, moi, je m'en fous. Là. Puis je serais totalement. Ça serait tellement, totalement correct aussi que Lucie mette ses limites, puis qu'elle dise je veux sortir avec Will. Mais mettons que comme tu décides d'avoir un enfant, ça, tu veux pas t'impliquer, ça serait tout à fait correct aussi. Avez-vous des limites, genre des trucs que ça. Pour vous, c'est inacceptable ou c'est quelque chose qui vous blesserait trop, genre quelque chose qui vient, tu sais. Parce que, mettons, là, je vous écoute parler, puis ça me rappelle mes propres expériences, puis c'est sûr, j'analyse avec mes propres relations du passé, puis je check qu'est-ce qui, moi, faisait du sens ou pas, qu'est-ce qui fait. Fait que, vous autres, c'est quoi? C'est quoi, mettons, le petit truc qui fait comme que le cœur, il fait non, ça, c'est non. Y a-t-il quelque chose ou pas? Honnêtement, il n'y en a pas bien, bien. Mais il y en a. C'est tellement tout, genre. Mais tu sais, ça se peut pareil. Genre, récemment, j'ai eu, genre, une petite panique d'insécurité parce que Xav puis une de ses amies, genre, j'avais mal compris de quoi, en tout cas. Ben, c'est ça, c'est que. C'était une amie avec qui, pendant un moment, je pensais que ça pouvait se passer, puis c'est. J'ai pas envie de dire c'est ambigu parce que moi, honnêtement, je suis pas prêt à m'entamer une nouvelle relation, comme j'ai dit, mais à un moment donné, puis moi, on était justement dans un chill avec des amis, puis comme. On s'était parlé plus tôt dans la journée. Moi pis cette amie-là, puis on... Tu sais, elle me parlait de ses relations amoureuses, puis comme... Tu sais, il y a eu un moment, justement, c'est comme... Un peu la personne, il m'a fait réaliser que j'étais peut-être pas tant asexuel, tu sais, puis que j'étais comme... Puis c'est ça, puis j'essaie de raconter ça, c'était vraiment pas clair dans ma tête, parce que ça venait de se passer, puis là, elle y était là, puis comme... Je sais comment je l'ai exprimé, c'était un peu décousu puis un peu pas clair. En fait, c'est que moi, j'ai compris que, OK, l'ami en question, elle tripe sur moi, je tripe sur elle s'en vient la semaine prochaine, ça se passe. Ah oui, c'est ça, moi, j'étais, puis genre, on était dans un contexte social, j'étais comme, OK, je m'en vais d'ici, je suis pas bien. Genre, je suis partie, puis là, j'étais chez nous, j'essayais de dormir, finalement, j'ai appelé Xavier, j'étais comme, OK, là, genre, explique-moi, j'ai pas compris, là, qu'est-ce qui se passe, puis moi, en ce moment, comme lui, je suis pas prête à ce qu'on embarque une nouvelle personne là-dedans, parce que c'est déjà genre un moment de pour s'habituer là. Ouais, c'est ça. En ce moment, vous vous concentrez sur cette relation. C'est ça. Puis tu sais, mais sur le coup, j'ai capoté. C'est ça. C'est vrai que ça avait l'air vraiment garroché, mais c'est juste que je me suis mal exprimé, puis comme. C'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Toutes les frictions qu'il peut avoir, c'est juste un manque de compréhension. C'est ça. Puis on s'est parlé, puis j'étais comme ah, ok, pas de stress dans le fond, mais c'est ça. Je pense que. Il n'y a pas tant d'affaires, tant qu'on s'en parle. Ben, mettons, si tu retournes voir Jonathan, moi, je serais comme. Non. Ouais, j'avoue. Non. Fait que c'est ça. Mais c'est, comme tu dis, c'est juste une affaire de compréhension. Fait que tant que vous communiquez, mais vraiment, vraiment. Parce que je sais pas comment dire. Moi, on dirait, il n'y a rien. On possède pas l'un puis l'autre. Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est, ça. C'est vraiment comme l'aspect de liberté de la chose qui est tellement belle. Mais c'est libre, mais en même temps, là, pas tant, là. Ben, oh, mais parfois. C'est parce que, mettons, lui, peut-être que toi, t'aurais besoin de quelque chose là, d'autre, mais peut-être que toi, non. Fait que moi, c'est plus... Mais c'est ça, mon point était que, genre, pendant un moment, ça aurait pu se passer, mais en ce moment, je suis tellement occupé à autre chose. Mais ça aurait pu qu'en ce moment, toi, t'aurais...
tu aurais besoin, mais pas toi. Mais dans ce sens-là, final, mettons, au final, final, si c'était ça qu'il voulait, mais je l'aime tellement, ouais, okay. Je veux tellement qu'il fasse ce qu'il veut, que je vais me travailler sur moi, tu sais, okay. Tu comprends? Genre, je vais aller communiquer, exact. Vous allez... Je vais pas l'empêcher de rien jouer, tu sais. Je pense qu'une belle parallèle qu'on peut faire avec ça, c'est que, aussi, ce qui est nice avec le polyamour, c'est que si sexuellement, une personne n'est pas capable de te le donner, tu peux rencontrer quelqu'un, trouver quelqu'un que lui peut te donner cette chose-là, tu sais. Ouais, genre, moi, mettons... Xav et Will, vie sexuelle complètement différente. Là. OK. C'est ça, là. C'est great, là. Mm-hmm. C'est malade. Comme, ouais. Tu veux-tu nous en parler un peu? Ben, mettons, OK. Ben, tu sais, Will, genre, il est hétéro. Ouais, c'est ça, pas de il est hétéro, puis notre relation est quand même, dans le sens classiquement hétéro, là, genre. Ouais, ouais. Puis, je sais pas, quand j'ai commencé à sortir avec Xav... qui est fucking queer, puis tu sais, moi, je suis queer aussi, puis tu sais, même si on a des corps de hommes et femmes, puis qu'on est straight passing, comme je disais tantôt, mais il y a quelque chose, même pas juste sexuellement, il y a quelque chose dans notre relation qui est tellement gay, genre, je sais pas comment l'expliquer, genre. Ouais, ouais, puis comme quand on s'est mis à coucher ensemble, on est vraiment comme... genre juste deux âmes qui se sont trouvées. Mais vraiment, puis quand on a commencé à coucher ensemble, j'étais comme, OK, c'est, j'ai jamais vécu ça. Je comprends. C'est plus proche que... quand je couche avec une fille, genre, c'est ça qui est weird, en tout cas. C'est ça, puis comme, on venait vraiment une dynamique différente de ce que j'ai avec Will, justement. Chora. Ouais, genre, je peux tout dire, là, dans le fond. Tu dis tout, là. Tu sais, mettons, toi, Xav, il est pas, tu sais, t'es pas à l'aise, mettons, du gros de guissal, genre. Ouais, c'est ça, ouais. Tu trouves ça bizarre, tu sais. Je suis comme le... dans la douceur, les préliminaires. Mais même pas la douceur, c'est ça, l'affaire. C'est pas tant, ça dépend, vraiment. C'est le concept de, genre, c'est juste fourrer une fille, t'es comme... Moi, j'ai vraiment comme la misère avec... Moi, j'appelle ça les... Tu sais, je vais pas bâcher du monde, mais comme... Tu sais, les « monsieur », entre guillemets, là, les... J'ai de la misère avec la dynamique, genre, ce qui est correct, je pense, que j'ai de la misère avec la dynamique classique hétéro comme pas correct. Mais c'est juste pas toi, là. C'est juste pas toi. Parce que c'est hétéro, mais parce que, tu sais, vraiment le classique, genre, conservateur. C'est ce que t'as avec Will. Ouais, ouais. Non, c'est même pas ce qu'ils sont ensemble, mais... Le classique, mais je sais pas, on généralise, mais je suis un gars, c'est moi qui appogne, c'est moi qui domine, c'est moi qui dois être sur le dessus. C'est en plein ça. Plus sous, genre le exact. Mais tu sais, je laisse prendre. Je dis pas non plus que moi, avec Will, c'est ça, là. C'est super, c'est great, c'est doux, puis genre... Je veux pas dire non plus que des fois, je la pogne pas, là. C'est juste genre crime, genre... Il y a un mélange. C'est nous autres, genre, justement, comme à un moment donné, on est allé chez Ross, puis... On s'est acheté un strap-on, puis genre là, on est là-dedans. Là, Attends, parce que les mots du strap-on, on en parlait tantôt. Tabarnouche, il y a des gens qui aiment ça avec une strap, pas de strap, whatever. Vous, parce que moi, j'ai jamais essayé de strap-on. Ben, écoute, on l'a pas essayé officiellement encore, parce que comme. Oh, dude. Mais il y a une nuance dans le officiellement. Ben, c'est ça, c'est que on s'est pratiqué sans le strap, juste genre un petit move de bassin, puis moi, je tiens le. Avec un vibrateur, tout, genre. Fait que t'as pas essayé avec la ceinture. Pas encore, je l'ai mis sur moi pour voir, mais comme la prochaine étape, ça va être ça. Mais on voulait y aller comme graduellement, parce que. Mais genre, c'est ça, ça y est allé. On commence avec des petits anulingus de temps en temps. C'est vraiment fucking hot, puis je comprends pas pourquoi le monde avec des prostates, genre, découvre pas ça parce qu'ils calissent. C'est une des belles choses. C'est fucking Affaire. Mais c'est ça, genre, on est vraiment là-dedans. Je sais pas, puis il y a de quoi de tellement de... La proximité, en tout cas. C'est vrai que quand tu vas jouer de ce côté-là, le supposément interdit, on dirait que c'est encore ça. Plus... C'est ça. Moi, j'aime ça aussi, d'offrir ça, que le côté que c'est différent, puis... Ouais. Mais c'est tout. C'est tout ce que je veux dire. Le monde, ils savent que j'aime ça. Ben oui. Mais là, c'est great. Ben oui, c'est fucking great. Puis en tout cas. Mais tu sais, je dis pas que je fais pas des affaires anales avec Will, mais c'est juste que là, c'est plus dans un. Ouais. C'est genre, je te fourre, là. C'est vraiment ça. Fait que vous avez pas essayé d'autres sortes de strap-on. Non, pas, on est pas rendu là. Moi, je pensais que vous avez essayé plein de sortes. J'étais comme, ils vont Mais j'aimerais ça. Genre, c'est ça mon but. Parfait. Tu me donneras des nouvelles sur qu'est-ce que t'aimes le plus. Un pas de ceinture versus avec ceinture. C'est ça, mais on avait entendu eux avec 105. Ceinture, ça tenait moins, fait que pour commencer, on voulait plus certain de notre affaire. Ouais. Mais que je veux dire, pour revenir juste à la sexualité différente, puis mais on fait beaucoup d'oral, genre. Ouais. On fait de la pénétration des fois, mais c'est plus rare, là. C'est vraiment moins ça. C'est comme. J'aime ça comme pas juste m'arrêter à ça, puis j'aime ça trouver des façons
j'ai envie de dire original, de comme, ben, pas, c'est pas original, mais comme, moi, dans ma tête, tu sais, le préliminaire, puis le côté sexe, c'est la même affaire, genre, le préliminaire, dans ma tête, c'est du sexe, là, écoute, mais ben oui, ben, genre, c'est fucking cave faire la différence entre ça, comme, il y a pas juste la pénétration d'envie, fait que des fois, genre, tu sais, j'auto, on se fucking tease longtemps, puis comme, ouais. Justement, fun, des fois, ils ont, oui. C'est ça, puis ouais. Des fois, on oublie d'acheter des condoms, justement, dans la boîte de condoms commune, fait que là, ben, on est comme, bon, ben, on va faire autre chose, ben on oui, va se frotter, ou comme, ça, ouais. Fait que, ouais, je sais pas, vrai. Ça fait tellement un éventail large de choses, puis après ça, je reviens avec Will, puis genre, lui, il tripe sa pénétration, fait que je suis comme, parfait, j'ai deux affaires. Ben, ouais. C'est pas ouais, que j'aime pas ça, c'est juste, c'est pas moi, c'est pas notre mot ben, c'est ça, exact. Moi, j'adore ça. Non, c'est ça, c'est tellement variété. Tu t'amuses. C'est ça. Puis il y a de quoi, comme je disais, qui feel queer, là. C'est comme inexplicable. Mm-hmm. Est-ce que toi puis Will, vous en parlez, mettons, de vos vies sexuelles? C'est une bonne question, ouais, ça. C'est Christ, c'est parce qu'au question. Début, moi, ça me faisait cringe. J'étais comme, ah, je veux pas savoir, je veux pas savoir. Ouais, c'est ça. Tu sais. Puis là, mettons, on est plus à l'aise, puis tout. Puis là, c'est drôle, j'ai vraiment un exemple concret. Cette semaine, on est chez nous, on se fait un petit souper. Tu sais, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, des fois, on n'a plus rien à se dire, là. On est souvent dans le silence. Puis là, on est comme, hey, t'as-tu une bonne histoire de cul cette semaine, toi? Ah oh, ouais, t'es la fois, nanana. J'étais comme, ah oh, ouais, moi, nanana. Puis là, genre. Attends, là, c'est parce que. Tu vois, je t'ai pas dit ça. Tu comptes, là. Ouais, tu m'as pas dit ça. En tout cas. Mais c'est ça. Fait qu'on parle de ça. Mais, nice. Tu sais, il y a des affaires au début, je voulais vraiment pas savoir. Puis je pense qu'il faut juste se demander avant, es-tu prêt à ce que je te parle de telle affaire? Même affaire avec toi, des fois, je te dis ce qui se passe avec Will, puis je te demande. Puis. Je me dérange honnêtement vraiment pas. Ben, je peux te dire. Tu sais, Will, I mean, il a déjà vu mes notes, puis j'ai déjà vu ici. C'est ça. Ouais. Voilà. Okay. On dirait, moi, je voudrais tout savoir, mais après ça, une fois que je sais tout, je serais comme, oh! C'est ça, ben non, moi, je sais. Mais est-ce que ça crée aussi, ça a déjà créé de la jalousie, justement? Là, on dirait que vous deux, là, c'est comme incroyable. Ouais. Mais là, on dirait que, je sais pas, on dirait, Will, il est d'accord. Ben, Will, sa petite insécurité, là, en tout cas, j'espère qu'il m'en voudra pas de parler de ça. Mais c'est même pas tant par rapport à toi. Mm-hmm. C'est juste des fois, il nous voit aller, puis il est comme, oh mon Dieu, tu sais, je suis trop straight, je suis trop plate, genre. Puis là, je suis rien. Il est vraiment pas, là. C'est juste de quoi différent. Il n'y a pas un meilleur que l'autre. Ben, c'est ça. Puis je pense que c'est même pas sexuellement. Je pense que c'est juste comme dans notre dynamique. Mettons, nous autres, on est vraiment crazy, puis on fait plein de marde ensemble, genre. Puis tu sais, lui, il est plus, j'ai ma routine, je suis chez nous, je suis tranquille. Puis Lucie, elle, es-tu un peu plus straight? Es-tu aussi funky comme toi, genre? Ben, comme entre les deux, genre, souvent, elle vient dans des affaires qu'on fait, puis oui, elle est pas là, genre. En tout cas, mais tu sais, ça dépend, là. Je sais pas, là. Je sais même pas qu'est-ce qu'il veut dire par ça, parce que je trouve qu'il y a pas... Ça n'a pas rapport, là. Mais ouais. Mais il n'y a pas eu de jalousie sexuelle, vraiment, là. C'est moi, honnêtement, je n'ai jamais ressenti. Ben, c'est ça. T'sais. Puis j'ai même de la misère avec le concept de jalousie lui-même, parce que souvent, c'est juste de quoi que, genre, t'as pas encore de clarification sûre, puis ça vient chercher comme un... peut-être un trauma ou une anxiété, genre, ouais, bien ton passé, tu sais. C'est sûr. Puis comme la seconde que, genre, on se l'éclaire, ben, c'est passé, tu sais. Puis pour juste parler de jalousie sans nécessairement sexuellement, là, mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui demande souvent, mais tu sais, t'as pas peur que comme ton partenaire il parte avec l'autre puis qu'il te laisse. Puis je suis comme, mais c'est ça qu'il veut. Comme dans n'importe quelle relation monogame où genre t'as pas peur qu'il te laisse, là, mais oui, là, ça se passe. Comme tu l'expliquais toi-même tantôt, tu sais, t'as fait le choix de laisser des gens pour explorer quelque chose qui peut-être même donnerait rien du compte, mais t'as pas le choix parce que c'était monogame, fait que c'était trompé, puis c'était malsain, fait c'est que t'as fini par quitter des relations que t'aurais peut-être même pas quitté autrement. Exactement, puis tu sais, j'aime bien mieux ça, j'aime bien mieux genre que mon partenaire il fasse ce qu'il veut vraiment, qu'il reste avec moi 20 ans puis ça y tente pas, là, tu sais. Fait que ça sert à rien que je sois jalouse à quelque part parce qu'il est comme... Il y a besoin d'autres affaires que moi, je peux pas y donner. C'est tout à fait ça. Genre, mais moi, demain, si tu veux, c'est une graine parce que, tu sais, je sais pas, là. Parce que, tu sais, je suis comme, fine, vas-y. Ben oui, let's go. J'ai pas de graine. Tu vas y aller. Même chose que toi. Vous avez l'air de vous faire sentir spécial, tu sais. Vous avez l'air de vraiment vous valoriser beaucoup, vous valider, vous dire que vous vous aimez, que vous êtes des hommes sœurs, tu sais. Ça, c'est tellement important parce que si tu ressens pas cette confiance-là et cet amour-là de l'autre, t'es comme, OK, mais là, je veux pas qu'il y aille ailleurs. Tu sais, c'est là où le. Mais si vous avez tellement confiance. Ben, c'est ça. Tu sais, justement, avec Jonathan, là, moi, si je me sentais de même, c'était tellement pas validant, c'était tellement comme, OK, je sais pas qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que tu corriges. Avec lui, la seule confirmation qu'on avait vraiment, le plus proche qu'on fait de lui, c'est genre, tu sais, j'ai jamais couché avec moi personnellement, même si des fois ça a été genre très pas clair.
Élie, comme je vais pas parler pour toi, mais comme c'est souvent le seul moyen que tu pouvais te sentir d'être proche puis d'être validé, genre. C'était en couchant avec. Pas correct, genre, alors que tu sais, il y a tout de même plus que ça. Ouais. Puis avec lui, est-ce que tu ressentais plus de jalousie? Ben, parce que j'ai fait un petit. Ouais. Ben, quand j'ai appris, c'est correct. Ouais, moi, quand j'ai appris que Xav puis lui, ça se passait, j'ai eu un petit. Ok, what the fuck. Puis comme. C'est ça, parce que vu que c'est pas clair puis que la confiance est moins là, ben c'est plus facile de tomber dans cette sécurité et tout, je pense. Ouais, ben c'est ça. Ouais, ben oui, la jalousie, c'est ça. C'est souvent, c'est que ça. T'as peur que l'autre aime mieux l'autre que toi. C'est puis, des histoires que tu te fais. Des choses, des fois, je donne moins, je donne pas beaucoup de sexe, fait que là, est-ce que l'autre en donne plus que moi puis il va être plus... se comparer. Ouais. Mais l'autre... L'autre affaire que je me demande aussi, c'est est-ce que vous pensez que, je sais pas si j'ai eu cette discussion-là, mais est-ce que ça se pourrait, vous voyez un jour que vous n'aurez plus besoin puis que vous trouvez votre personne qui réussit à compléter tout ce que vous avez besoin, en fait? Ben, moi, je vous regarde puis c'est comme wow, là, mais tu sais, je sais pas, là, mais est-ce que c'est quelque chose que vous pensez que ça serait un jour ou non? Ben, écoute, moi, quand on a fait des coming out polyamoureux puis tout, le monde, les premières réactions, c'est Austin Falls. Ça va passer, genre. Mais comme, en même temps, qu'est-ce qui est, comme je disais tantôt, comme qu'est-ce qui est pas une fucking phase? Genre, une relation monogame avec quelqu'un est une phase quand tu y penses, là. Mais oui, c'est sûr. Mais moi, je sais que profondément, genre, j'aime plus qu'une personne à la fois, puis comme. Je trouverais ça plate de m'arrêter à une personne. Pas que c'est plate en général, mais moi, pour moi, ça serait plate. Ouais. Puis moi, à l'inverse de toi, j'ai une place comme la première relation sérieuse que j'ai est polyamoureuse. Mais avant ça, il y a plusieurs affaires dans mon mode de vie, dans mes intérêts, dans mes valeurs, qui comme... C'était juste bound to happen. C'était comme le polyamour, c'était la suite logique. C'est juste je savais pas encore c'était une option. Puis quand genre, j'ai rencontré Ellie, puis j'ai vu ça, puis j'ai crème, j'ai donc vu comment elle était heureux. Puis là, finalement, hey, ça donne à Ellie, puis j'ai des sentiments pour elle. C'était juste comme le meilleur des. C'était la meilleure chose qui peut arriver, tu sais. C'est sûr. Comment t'as réalisé que. Parce que là, tu disais que pendant un bon bout, tu pensais que t'étais homosexuel. Comment t'as réalisé que, oh, finalement, j'aime les femmes ou j'aime certaines femmes? C'est ça. Mais c'était comme la transition être. Puis j'ai rajouté une nouvelle personne. Parce que dans je dansais trop bien d'être partout. Ouais, c'est ça. Je dansais trop bien, puis elle frenchait trop bien. J'étais comme, oh, oh. Non, mais vraiment, un bout, j'étais comme, ah, tabarnak, je suis dans fucking merde à m'a eu avec sa face de petite lettre, genre ta petite lettre cute, là. Tu sais, je dis petite lettre, mais comme, c'est très sarcastique, là. Hey, en tout cas. Ah, fait que c'était la première fois, c'est la première fois comme que t'as aimé. Ben, c'est un problème. Ben, que t'es en couple, en tout cas, oui. En couple, oui, mais que j'ai aimé, j'ai envie de dire que non, tu sais. OK. Mais c'est juste que c'est ça, je sortais d'une place que je sais pas trop ce que je suis. Je sais que je suis fucking pas straight, juste parce que. C'était pas correct avec moi. Et aussi, tu sais, j'avais beaucoup de monde qui me disait, ah, t'es gay, genre juste. Mais genre purement comme c'est du monde qui était pas dans ma vie, puis qui me garochait ça comme purement par l'apparence, puis comme comment j'agis, puis mes intérêts, ce qui est comme. Pas tant correct, mais comme j'étais tellement dans une phase de ma vie où j'étais genre, je m'aimais pas, puis que je m'affirmais pas, que j'étais juste genre, le monde me garochait des étiquettes sur moi, fait que j'y prenais, puis j'étais juste bon, ben, je dois être ça. Puis à un moment donné, je me rappelle quand j'ai commencé à comme me tenir debout, puis à dire, hey, j'aime ça, 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 je suis capable de le dire que j'aime ça, puis pas ça. Il y a comme deux, trois personnes qui ont fait, non, ta gueule, là, Xavier, t'es genre, t'es juste qui est là, retourne dans ton trou, tu sais. Puis c'est genre ça m'a comme fucking refroidi, tu sais. Puis c'est une des personnes qui m'a dit ça, que genre c'était une de mes meilleures amies, puis pendant un bout c'était ma coloc, puis ça m'a fait de la peine, tu sais. Que comme, t'es qui, t'es pas dans ma tête, t'es qui pour décider de ce que j'aime, de ma personnalité, puis de... Puis même quand on a commencé à sortir ensemble, elle est... Ouais, elle comprenait pas, puis elle juste, elle me parlait pas quand j'étais chez eux. C'était très weird. Genre, quand j'ai dit qu'on sortait ensemble, genre, elle a checké dans le néant pendant 5 minutes sans rien dire, puis c'était genre, c'était vraiment. Mais pour elle, c'est que ça existe pas. Genre, tu sais, quand toi, mettons, pour moi, c'est ça, c'est que j'ai trouvé ma personne, fait que dans ma tête, c'est pas quelque chose de... Pas que c'est impossible. Je dis pas, moi, je suis tout le temps... Mais c'est loin de ta réalité. Là. Mais c'est loin. Fait que c'est la même chose pour elle. C'est juste qu'elle s'est pas ouverte aux autres... Je pense qu'il y avait de la biphobie internalisée. C'est ça. Puis ce qui est drôle aussi, c'est qu'elle a déjà été dans une relation polyamoureuse, mais comme... Tu sais, il appelait ça polyamour, mais c'était plus... Mais c'était-tu vraiment ça? Je sais pas. Tu sais, comme moi, la vibe que j'ai eue,
c'était qu'elle pouvait pas vraiment aller voir ailleurs. J'ai peut-être pas raison, je vais pas parler pour elle, mais je pense que à un moment donné, elle m'a dit, j'ai vécu ça, c'est pas pour toi, mais comme peut-être que toi justement t'étais avec quelqu'un ou des gens, je sais pas avec qui elle sortait, que comme qui communiquait pas assez ce qu'il voulait, puis peut-être que toi aussi avec du recul, c'est ça que je pense. Sur le coup, comme c'était dans les débuts où je découvrais ça, fait que je savais pas trop, t'sais. C'est vrai que c'est beaucoup dans la communication, mais avec du recul, je pense que c'est plus ça, pourquoi qu'elle a eu peur. Mais t'as-tu, parce que ça, t'ai même pas demandé, t'as-tu fait OK, je suis pas gay parce que moi ou juste ouais. Ça arrivait. Ah, c'est vrai, ben pas juste parce que toi, mais tu sais. Tu sais, plein d'affaires, ouais, là. Mais y a-tu un moment où t'as fait comme hey, dans le fond. Elle n'est pas prise. Ben non, ça a pas, c'était pas comme. C'était pas coupé au couteau, là. C'était vraiment comme je me suis posé des questions sur ce que j'aime, puis. Ouais. Fait que là, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 5 mois. Ouais. C'est vraiment frais. Mm-hmm. Puis ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Ça fait plus d'un an. Ouais. Ouais. Un peu plus d'un an. OK. C'est ça. Hey, j'ai comme 10 000 questions, puis en même temps, je suis blank. Ouais, mais là, on vous a garoché ça aussi. Non, parce que moi aussi, on dirait que moi, c'est vraiment juste que je suis un peu mélangée. Mais là, je suis vraiment plus. Je sais qu'il y a Jonathan, il y a Will, il y a Lucie. Je peux te parler de quelque chose? Vas-y. Parce qu'il y a beaucoup de monde, je trouve, qui se demande, tu sais, comment t'annonces ça à ta famille? Oui! Puis comme, justement, Will, il est pas là, mais là, il me dit, ah ouais, tu parleras ça. Lui, il a annoncé à sa famille avec un PowerPoint. Arrête. Il l'a fait, pour vrai. Genre, on est allé manger chez sa famille. Il avait tout préparé, puis il était super stressé. Parce que, dans le fond, il s'en va en France avec Lucie cet été pendant un mois, genre, voir sa famille à elle. Puis, tu sais, il fallait bien qu'il le dise à ses parents, là, un moment donné. Puis, ça arrivait tellement souvent, là, qu'il FaceTimait sa mère, mettons, j'étais genre à Xav, ou tu sais, j'étais pas là, puis il était comme, ah, Ellie adore. Ah, justement, cette histoire-là. Ouais, après, une autre affaire drôle, mais c'est ça. Fait que finalement, il était comme plus capable. Puis là, on est allé manger chez sa famille. À un moment donné, il s'est juste levé. Il a fait « Bon là, tout le monde, j'ai quelque chose à vous dire. » Il a mis PowerPoint sur la TV. Puis il a fait comme « La grosse nouvelle que j'ai, c'est ça. » Puis là, il a tout expliqué. C'était sharp. Là, il a tout mis les préjugés que les gens vont avoir, les choses que vous allez nous dire, les nanana, ce qu'on vous demande, ce qu'on aimerait que vous fassiez pas. C'était vraiment genre… Mais là, ce PowerPoint-là, il est-tu disponible? Ah oui, je l'enverrai. C'est malin. Vrai, ça peut être un c'est outil révolutionnaire. C'est puis il y avait genre toutes nos petites photos. Étaient comme… Il y avait Xav, moi, Will, Lucie. Puis là, il était comme « Bon, mais ben, les photos qui se touchent, c'est les gens qui sortent ensemble. Les photos qui se touchent pas, ils sortent pas ensemble. » Non, mais c'est un concept unique, là. Genre, tu pourrais juste le c'était inspiré, ça, là, les c'était gens inspiré veulent... d'une vidéo d'une danseuse genre sur YouTube qui annonçait à ses parents qu'elle était danseuse, genre. Ah, puis, c'était ses clients au lieu d'être ses chums, dans le fond. Ben, elle avait pas mis de photo, là. Ah. Ça aurait été drôle, mais ça, on a un peu copié ce PowerPoint-là. Les préjugés, puis tout ça, puis les questions que vous allez nous poser, qu'est-ce que vous allez penser. C'est ça. On avait comme tout prévu les réactions d'avance. C'est cool. J'aime ça. C'est quoi les préjugés qu'il avait mis dessus? Ben, tu sais, justement, dire c'est une fausse. Mais les préjugés, tu sais, le monde qui pense qu'on est une secte, genre. Le monde qui pense que. Une commune, genre, je sais pas, là, tu sais, qui ont. Une idée préconçue, alors que tu te chilles avec nous, puis tu vois bien qu'il est correct, là. Puis, ou mettons. Le concern principal des parents à Will, c'était genre les maladies. Ouais. Fait que, on les a fucking. Ce qui est fucking. Ce qui est vraiment correct, mais ça m'a surprise, genre, je pensais pas que ça serait autant que ça. Puis, c'est. Ah oui, puis aussi, il pensait que ça voulait dire qu'il était bi, genre, vu qu'il y a Xav dans le portrait, mais tu sais, non. En tout cas. Non, on va te conter l'histoire avec la Sarah Will. Ah oui, mais c'est ça. Ah, ça, c'était drôle. Il a fallu aussi faire ce PowerPoint-là parce qu'à un moment donné, moi et Xav, on était... Est-ce que j'arrête pas de parler? Ah ben non, mais parle! On était au centre d'achat, on se prenait on se tenait à la main. Puis on se frenchait, tu sais, on donnait des petits bisous. C'était fucking cute. Puis là, à un moment donné, j'entends juste « Ellie? » Je me revire, puis c'était la sœur à Will, mais tu sais, elle avait aucune idée, elle. C'est puis moi, genre, je sais, je suis comme... Ah, je l'en fais full entendu parler de ça, je me mets à parler, puis je suis comme... Tu sais, moi, j'étais sûr qu'elle était au courant qu'on était polyamoureux. Fait que je m'en parlais, enfin, je te rends compte, je suis tellement contente. On venait de faire un road trip, fait que lui, il compte son voyage, de super cute. Puis là, moi, j'étais comme, ta gueule. Alice m'a parlé par-dessus moi pour comme me couper. Puis genre, je comprends pas parce que c'est vraiment pas son genre. Puis là, au final.
C'est ça, là, je pense que c'est le moment le plus malaisant de ma vie, comme, j'étais, ok, fait que, elle ouais. Elle pensait que t'étais en train de tromper son frère. Ben, même pas, assez, parce qu'elle s'est dit, ah, ça doit être son ami gay, puis ils se tiennent la main, genre, c'est ça. Ah. Fait, ben, elle se posait des questions, puis elle s'en est doutée un peu sur le coup aussi, fait que, à seconde qu'on s'est séparés, parce que c'est le malaise était j'ai demandé à Ellie, j'étais comme, c'était quoi ça? C'est pourquoi, genre, je sais pas, j'avais l'impression que je pouvais pas foutre un mot, genre. J'ai texté Will, j'étais comme, là, faut que t'appelles ta soeur, là, ça marche pas, là, je suis pas bien, là, je veux pas. Vivre dans le mensonge, c'est genre ma pire peur, là, être dans le mensonge. Ouais. C'est pour ça qu'il a fait le PowerPoint après? Oui. C'est à cause de cet événement-là. Ouais. Mais tu sais, finalement, elle a gardé ça pour elle, elle n'a pas parlé à leur parents. Mais je pense que c'était même son idée à elle, le PowerPoint, en tout cas. C'est ça. Okay. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, là-dedans, là, qu'on la croise, là. Ouais. Puis tu sais, à l'inverse, là, mettons le PowerPoint, tout. Moi, ma mère, à un moment donné, j'ai juste texté, hey, maman, tu sais quoi le polyamour? Elle était comme, ouais. Puis j'étais comme, ben, moi, je fais ça. Ben, ok, cool. Parfait. On va-tu être quatre c'est à Noël? Cool. Allez-vous être quatre? Donc, j'étais comme, peut-être. Hey, sa mère, là, un ange, là. Tu sais, il y a pas longtemps, on est allé souper chez elle avec tout le polycule. C'était le fun. Ah, elle a tout invité, toute la gang, là. Pour manger des sushis, attends, là, c'est great. Will, hein. Lucie, moi. Ouais. Jonathan? Non, Jonathan, non, il était là. Bye bye. Il y en a-tu d'autres? Tout le monde était là. Non, juste genre ma famille, puis nous quatre. Genre, c'était okay. Vraiment cool. Ma mère nous a saoulés. Puis c'est ça. Hey, si, ben, ouais, sa mère est bonne pour saouler le monde. Puis comme moi, quand je n'ai parlé à. C'est ça qui était drôle. Ben, c'est j'ai plus vraiment de contact avec ma mère pour raisons compliquées. Je m'embarquais pas là-dedans. Mais mon père, je me rappelle, il était à côté de moi, puis j'ai appelé mon père comme si. Puis j'ai mis sur. Au parleur, parce que je voulais qu'il y entende, mais tu sais, j'ai pas dit qu'il était présent dans la scène, dans la pièce. La scène. Ouais, la scène, la pièce de théâtre. Comme. Puis là, j'ai dit comme, ouais, papa, tu te rappelles-tu d'Élie? Tu sais, quand t'étais. Moi, je l'avais rencontré, ouais, son père, mais j'étais avec Will, il nous avait vus dans mon cadre de porte avec mon chum. Puis nous, on sortait pas encore ensemble à cette époque-là. Tu sais, quand tu l'as vu, genre avec Will, justement, qui est son chum, ben, je sors avec Élie. Puis il a fait, ah, fait que, elle a rompu avec Will, c'est dans mes plats, tu avais l'air tellement cute ensemble. Je dis, ben non, justement, c'est ça l'affaire, tu sais, ils n'ont pas rompu, ils sont encore ensemble, mais je sors aussi avec Ellie, je suis dans une relation polyamoureuse. Puis, tu sais, mon père, normalement, là, tu sais, il se ferme. Bitch, ouais, c'est une sassy bitch, il se ferme pas à elle, puis il m'en pose full de questions, là. Puis là, j'ai comme, tu sais, je sais qu'il m'a pas cancel, il est pas fermé d'esprit, mais j'ai senti que la neutralité, c'était comme. Ah, je m'attendais vraiment pas à ça, tu sais. Fait qu'il s'est comme un peu tu, puis il était comme, ben, t'es-tu heureux? T'es-tu comme, fais attention à toi. J'ai juste dit, j'étais une cougar. Ouais, puis là, il m'a demandé, à quel âge? Puis j'ai dit, ben, elle a 24. Puis là, il dit, ah ouais, tu te pognes une cougar? Puis j'étais comme, ben, tu sais, Ellie est à côté de moi tout le long, genre. Puis elle devait se retenir de rire, parce que j'avais pas dit à mon père qu'elle était là. C'est ça. En tout cas, il y a tellement eu. Tout le monde a une réaction différente. Mon père, c'était plus une réaction. C'est fun. C'est juste, je pense, mon père, faut vraiment que comme j'invite Ellie à m'emmener puis qu'on fasse un petit trip en Gaspésie pour aller voir puis ils vont comprendre, tu sais. Ouais. Ben oui, c'est même pas un jour ça serait le fun qu'il y ait même plus ce genre d'annonce là. C'est ça, c'est tellement c'est ça, tu sais, juste pouvoir dire ah, j'ai une autre. Puis c'est à force d'en parler de même puis d'un pote, tu sais, justement dans les podcasts qu'à un moment donné, c'est même pas parce que c'est juste moi j'ai jamais entendu ça avant le podcast là, c'était pas dans ma réalité du tout, fait que c'est même pas de juger, c'est juste que ah, on voit pas ça. C'est ça. C'est tellement. Puis, nous, on habite dans une petite ville en plus. Ouais, là. Je sais pas si c'est ça que tu allais dire. Là, parce que je sais qu'à Montréal, il y a vraiment une communauté polyamoureuse. Mais nous autres, on n'est pas là-dedans du tout. Là, fait que ça serait une autre histoire si je vous aviez reçu quelqu'un dans la communauté de Montréal. Parce que c'est. Mais nous, justement, on est vraiment des énergumènes en région. Peux-tu dire de quoi je pense que c'est important d'expliquer genre la différence entre couple vert et polyamoureux? Oui, parce que quand il y en a quand même souvent, ça, c'est quand même un. Une des premières choses que le monde va nous dire, c'est comme ils vont mélanger l'un et l'autre, ils vont pas trop comprendre, mais comme, tu sais, la différence avec le polyamour, c'est comme tu vas vraiment développer une relation romantique avec une ou plusieurs personnes, puis cette personne-là va en développer avec d'autres personnes, alors que le couple ouvert, c'est plus comme il y a un couple central, tu sais, il y a deux même dans le polyamour, des fois, tu sais, ça dépend des choix des gens, des fois, il y a de une hiérarchie, là, tu sais, c'est important de dire ça. C'est moins ça, là. Nous, c'est pas ça du tout, mais ça, c'est quand même super commun, tu sais, mettons une relation principale, une relation secondaire, mais tu sais, nous autres, c'est pas ça. Il y a quand même les aspects romantiques au travers. Ouais, c'est ça, alors. Mais il y en a, c'est ça, qui ont, comme, mettons, ils habitent avec lui, ils ont un enfant, ils ont une famille, puis ils ont d'autres, là, c'est ça, OK. Puis dans un couple ouvert, tu sais, c'est vraiment comme. Tu vas coucher avec d'autres mondes ou comme mais tu vas pas développer t'as comme
j'ai envie de dire, t'as comme pas le droit de développer des relations romantiques avec ces gens-là, tu sais. Tu vas toujours retourner vers la personne. On s'entend que ça se fait, c'est sûr que ça se fait. Oui, ça se fait, puis pour nous que ça marche, mais c'est pas pour tout le monde, comme le polyamour. Pour moi, genre, coucher avec des gens, tu sais, j'aime ça, coucher avec des gens random de même, mais c'est comme pas la même affaire que quand un minimum d'émotion. Ça se peut, ben en fait c'est sûr ça se peut, oui, mais mettons vous là vous avez toi t'as tes deux chums, toi t'as ta blonde, puis là étant donné que si c'est pas pour dater, il y a pas de one night, il y a pas d'affaire. Ah, ça peut arriver. Ça peut arriver aussi par exemple. C'est ça, des polyamours que t'as deux chums mais c'est tes seuls puis tu vas pas. Mais oui, ça s'appelle attends, mettons un polycule fermé, genre. Ah, c'est ça. Une triade fermée. C'est que ils sont trois ou quatre ou mais ils restent là-dedans. Ils restent là-dedans. C'est ça. Mais là, ça respecte pas la valeur principale qui est la liberté. Ben oui, parce que c'est tes valeurs à toi, c'est ça. Mais ça dépend, c'est ça. Moi, c'est la liberté. Mais peut-être qu'il y en a qui font du polyamour pour d'autres raisons. Puis que c'est pas ça. Il n'y a pas une façon de faire. C'est ça. Fait qu'il y en a qui Mais c'est parce que là, ce qu'elle disait tantôt, c'est que l'élément principal du polyamour, c'est la 100% être liberté. Fait que je comprends pas le fermé. Ben là, c'était plus personnel. J'ai l'impression que la liberté, pour chacun, ça a différentes définitions. Tu sais, comme moi, je sais pas comment expliquer. Puis il y a des niveaux aussi. Mais non, mais pour moi, dans mon cas, je me sens libre. Là, c'est ça. Tu peux te sentir libre d'avoir tes deux chums, mais t'as pas besoin. Je disais liberté, mais en fait, je pense que mon but principal, je sais pas toi si c'est ça, mais c'est comme vraiment d'être de même avec mes valeurs, puis je suis de même dans toutes mes affaires dans ma vie. Puis c'est juste que ça, c'était comme Xav disait, la suite logique, un peu juste même politiquement. Genre. C'est ça, c'est tellement le plus gros fuck you qu'on s'était dit à un moment donné au capitaliste que tu peux faire, genre être dans une relation polyamoureuse. C'est comme ça. C'est fucking. C'est comme à l'envers de tout ce qu'on est supposé faire dans toutes les valeurs qu'on déteste, genre de droite. C'est genre un gros fuck you à ça. Son nom, ses mais juste par exemple que tu élèves un enfant à 3 là, mais tu sais, genre ça va coûter moins cher cet enfant là il va avoir tellement d'amour, je sais pas, c'est comme c'est à l'envers. C'est un privilège en 2022 là, être capable de genre supporter une famille puis être un couple d'eux là. Mais vraiment. C'est ça, aux yeux de la loi, nous autres, on n'est pas valide, on n'existe pas, tu sais, on peut comme... Faut t'en choisir un. On peut pas... Il y en a un qui va avoir les avantages, puis l'autre, il l'aura pas. On peut pas adopter d'enfant, me semble, sans genre... Ah! Sans que, comme, admettons, on soit officiellement plusieurs parents, tu sais. Il y a, mettons, tout... Si on veut adopter un enfant, il faudrait que ce soit genre, on fasse semblant qu'on soit un couple monogame. Oui, c'est ça. Faudrait pas dire qu'on est trop. Est-ce que vous avez déjà pensé à. Puis les mariages aussi, c'est. Ah ouais. On veut pas ça, là, mais. Oh, comme... un mariage en 6! Ouais. C'est ça, mais légalement. Hey, méchant gros parti. C'est ça, mais légalement, on peut comme pas faire ça. On veut juste faire la party. Tu fais un mariage religion, mais tu peux te faire un mariage à Cuba. C'est ça, on fait une cérémonie pour nous, mais comme on n'aurait pas les papiers, mais on s'en fout. Mais les papiers, c'est ça qu'on veut pas, de toute façon. La crise de marde. Quand tu sépares, tu donnes la moitié. Non, merci, on va tout garder. C'est des chaînes avec des boulets. Qu'est-ce que ça veut dire, Luzon? Est-ce que vous avez déjà pensé ou discuté du trouble, mettons, entre vous deux, d'avoir une troisième personne avec vous deux? Ben, tu sais, ça a failli arriver, là. La fois où on s'est croisés sur le trottoir, là, puis on a tous les deux croyé nos vies, là. Ouais. Si vous avez compris avec Jonathan, c'était comme l'objectif. Finalement, ça n'a pas marché, mais on était partis pour ça. Mais là, je suis pas sûre que je le ferais, par exemple. Non. Honnêtement, ça m'a un peu marqué de façon négative. Je sais qu'il y en a qui ça marche, mais je pense finalement que c'est pas une dynamique. Puis, moi, quand j'ai habité avec les deux gars, c'était pas loin d'être ça aussi, genre. Ouais, c'est ça. Mais, l'affaire, quand on a réalisé, genre, un peu qu'on vivait les mêmes choses, on arrivait de la fête à Jonathan, puis on est partis les deux parce que, je sais pas, on se faisait chier. Puis, on a pris comme deux chemins différents, mais finalement, on habite à côté. Fait qu'on s'est croisés au coin de rue, les deux, on braillait, à cause de lui. Parce qu'il nous faisait fucking la peine, là. On a l'impression d'être d'être utilisé, là. Fait qu'on s'est comme assis sur le trottoir, puis on était. Puis là, on braillait, puis on se comptait, genre, oh my god, il m'a fait de la peine. Déjà, c'est le début d'un band amoureux à quelque part, là. C'est ça qui est drôle. C'est ça, il y a tellement de quoi de. Beau qui est sorti de ce merdier-là. C'est ça. Oui. Mais je pense pas que je ferais un troupe live. Puis, en tout cas. Anyway, même si le merdier n'était pas arrivé, je pense pas. On serait quand même ensemble. Ouais, c'était certain que ça allait arriver. On est trop. Puis là, vous disiez que les deux, vous aviez flashé sur Lucie.
Mais là, c'est... C'était moins comme... C'est vrai, c'est moins que ça. Ouais. Moi, c'était plus genre, j'avais dans un party, je suis comme... Ouais, c'est ça. Hey, là, c'était pas comme... Mais là, c'est comme ma grande chum. Puis comme, je trouve ça mieux, je pense, que ça soit séparé. OK. Je pense pas que... Là, si mettons, là, t'apprends Xav puis Lucie, ça se passe. Mais ça serait drôle, là. Ça serait drôle, mais... Je pense honnêtement pas que ça se passe. Ça, c'est pas dans mes intentions. On est vraiment amis, là. Ouais, c'est vraiment comme... Mais ça serait juste cocasse, je pense. Ouais. Genre, c'est mes deux chums d'être la même fille, là. C'est drôle. Mais je pense pas que ça va arriver. Puis comme, justement, Lucie, elle est plus monogame. Fait comme, je pense qu'elle est plus comme Will, tu sais, mais on sait jamais. C'est drôle. Moi, je suis vraiment. J'ai tellement d'informations, j'ai le cerveau dans le jello, je suis là. Non, c'est bon, je vais être pensée, tout le long qu'il parlait. Oui, moi aussi. On a fait tout dépareillé un peu aussi, puis décousu. Le tabarnak. Je pense que. Non, globalement, j'ai compris l'histoire. Fait que si je l'ai compris, tout le monde va la comprendre, c'est sûr. Mais pour vrai, de ce que je vois, là, vous êtes vraiment des personnes super ouvertes. Mm-hmm. Vraiment, c'est beau vous entendre. Il n'y a aucun doute que vous êtes vraiment très en amour aussi. Le monde nous trouve hot aussi, je pense. Vous êtes hot. De parler comme ça, ouverte, c'est bravo. Puis merci de le faire parce que c'est comme ça qu'il y a des... Tout le monde, ça va devenir de plus en plus comme... J'espère, parce que... Juste ça, là. On dirait, moi, c'est tellement rendu ancré dans ma tête. Des fois, j'oublie que les gens, pour les gens, c'est pas normal. Puis là, on arrive dans des situations, puis je vois des faces, puis je suis comme, c'est vrai. Mais tu sais, ça arrive pas trop souvent non plus, là. Mettons dans notre gang, justement, l'innocence, c'est comme. C'est pas parce que tout le monde pose tout le temps juste des questions. On peut-tu juste passer une soirée normale? C'est juste un fait de nos vies, c'est pas notre personnalité d'un polyamoureux. Mais c'est sûr, là, vous chillez avec du monde que vous connaissez pas toute la soirée. Mais ça arrive quand même souvent, ça. Puis le monde, je pense, il stare un peu pendant 5 minutes, puis après ça, il y a quelqu'un qui leur dit. Ouais. Puis OK, c'est correct, fait que c'est pas trop. Non. Mais on sent aussi quand une personne veut, ça l'intéresse pour de vrai et a des vraies questions qui. Il y a une façon de l'apporter et puis de demander. Je pense qu'on s'est déjà fait demander d'une manière un peu croche. C'est quoi? Je suis comme... c'est encore, ça rentre avec préjugés des fois. Puis c'est comme... ça rentre dans le sens que comme le monde venait nous aborder juste parce qu'il savait qu'on était ça, tu sais. Mettons, on un peu animal de cirque, C'est ça, c'est comme le freak show, là. C'est ça. Puis qui te pose des questions, mais en essayant de vous pogner, là, des questions pièges. Ça arrive aussi, là, genre, mais tu sais, si telle affaire, je suis comme, Puis là, on en a posé aujourd'hui. Mais c'était pas pertinent, pour tout le monde. Mais comme tu dis, il y en a des fois qui viennent. On le sent quand une personne est. Tu sais, il va demander, mais il va pas changer son esprit sur ce qu'il pense de ça. Vas-y. Je parle trop, moi, si tu veux. Non, pas toi. Go. Est-ce que vous êtes comme informé? Comment, genre. Lu ou comme regarder des vidéos YouTube de gens qui vivent ça, tu sais, comme genre vous inspirer un peu pour. Honnêtement, Ellie est un peu ma source d'information. Après, je me suis mis à suivre un peu des pages Instagram. Moi, là, ça fait longtemps. J'étais dans des couples monogames, puis comme en secret, j'étais qui des affaires un peu là-dessus. J'ai lu des livres, puis je suis beaucoup de comptes sur Internet aussi là-dessus. Tu savais que c'est ça que t'étais. Tu sais, sans me l'avouer vraiment, je suis comme, mais tu sais, eux, ils font ça, mettons, je suis ça cool. Tu sais, un peu à reculons, là, mais il y a beaucoup. Pour vrai, il y a quand même des bonnes ressources, le fun, là, mais vraiment en anglais. Il n'y en a pas en français. Il y a un podcast que je connais en anglais, que c'est une fille qui a deux chums, puis elle parle de ça. Il y a quelques comptes Instagram de monde genre qui éduque, mais il n'y a pas tant que en français. La BD que tu m'as passée était bonne. Ah, mais c'est vrai, lui, il est français. Ouais, c'est ça. Mais son compte, il est en anglais. C'était genre un gars, mais là, ils sont plus ensemble, mais il y avait un troupe, genre, qui avait un compte Instagram. Puis le gars dans le troupe, il fait de la BD. Puis il a sorti un livre qui s'appelle. C'est un gars avec deux filles ou... Ouais. OK. Mais ils sortaient tous ensemble, eux autres, dans le fond. OK. Puis le gars, il a fait une BD qui s'appelle De polyamour et d'eau fraîche. C'est un français, là. Fait que ça, c'est une des ressources en français, mais comme. Sinon, le livre là, culte là, de pas mal tout le monde, si vous parlez à d'autres gens polyamoureux, c'est La salope éthique, The Ethical Slut. Là. Ça, c'est comme l'espèce de bible là, de monde polyamoureux. Mais ça fait quand même longtemps que ça a été écrit. Il y a souvent des updates. Mais il y a certaines affaires que, selon moi... Comme, je savais pas qu'ils le ressortaient. Oui, il y a des updates souvent. Nice. Mais c'est comme deux personnes quand même plus vieilles qui ont écrit ça puis qui sont super intelligentes, super
c'est super pertinent ce qu'ils disent, mais je trouve que ça s'applique moins, mettons, à ma réalité. OK. En tout cas, mais c'est ça. Parce qu'ils parlent de leurs propres règles, en guillemets. Ben, tu sais, non. Oui, puis non, là. C'est plus qu'ils sont plus vieilles, fait qu'ils ont comme une mentalité un peu plus vieux jeu, c'est des affaires, là. Genre, okay. Tous les concepts de genre, puis ouais, c'est un petit peu. OK, je comprends. Mm-hmm. Moins inclusif. Ouais. C'est ça. Ouais, mais. Je m'éduque encore, là, tu sais, dans le sens où j'en ai pas. Puis est-ce que vous aimeriez amener partir soit un podcast pour. Hein, ça serait hot. Quelque chose, Jean. Ça serait un podcast polyamoureux, mais que tu invites d'autres couples polyamoureux. Fait que là, ça donne plein d'idées, plein de façons différentes. Le monde y aurait mal à la tête. Ouais, c'est sûr, clairement, je vais. C'est ça. C'est ça. Je vais m'endormir, faire une petite sieste avant, concentrer, let's go. Mais je me suis surpris à tout bien comprendre. Ouais, ben, ça veut dire vous expliquer bien. Ça. Mais en sortant, je te fais un dessin sur un sac de chips. Ouais. Je le vois super bien maintenant. Au début, je pensais que j'allais mourir pendant le podcast. Je ne comprendrais rien. Finalement, j'ai vraiment bien compris. Bon, merci. Tant mieux. Vraiment. Puis, avez-vous d'autres choses? Une dernière chose à dire? Je ne sais pas si on a oublié quelque chose. Moi, j'ai envie que tu parles des... Je ne sais pas si tu as envie de parler de ça. Là, quoi? Mais de l'orgie. Pour la fin, des petites dedans, ouais, mais t'étais pas là. I know, mais comme, tu sais, il y avait du monde qui en rapport là-dedans. Là. Mais c'est vrai que ça a le trigger ça a quelque rapport, chose. Là. Puis aussi, on s'est fait inviter à une orgie il y a pas long, parce que non, on pense pas y aller. C'est... Là, ouais. Mais c'est que, il y a 2 ans, j'ai passé l'été en Gaspésie, puis il y avait moi, Will, il y avait l'ami en question avec qui on habitait après. Là. OK, celui que tu... Que c'était ambigu à trop, là. Mais juste avant ça, on habitait ensemble, puis il y avait une autre fille aussi dans notre coloc. Après ça, il y a un de nos amis qui est venu rester genre une semaine dans la coloc. Puis comme, il y avait eu un cas de COVID à notre job, on était pognés dans la maison pendant une semaine, genre. Puis, il fallait... C'est ça. Oh, OK. Oui. Ah. C'est ça. Okay, je comprends. Fait que là, il y a eu du sexe à 5, puis ça... Ah. Moi, perso, là, ça a trigger de quoi, là. Je suis sortie de là le lendemain, j'étais comme... Okay, ben oui. Nouveau monde. Est-ce que à ce moment-là, vous aviez déjà commencé? Ben, on n'avait pas vu Jonathan encore. Ça, puis non, on se connaissait. On se connaissait pas à ce moment-là. Là, ça fait 2 ans. C'était au début genre. Avec Will. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça. Tu sais, on s'était dit ok, on French du monde. Nanana. Moi, je pense qu'on avait juste Frenché du monde à ce moment-là. Ouais. Puis là, on était juste comme ok. Ça a vraiment starté faire tout. Faire du sexe avec quelqu'un d'autre, puis Will, ça, c'est quelque chose que vous seriez à l'aise de faire. Ben oui, moi, j'ai fait des threesomes avec Will aussi. Puis ensemble, avez-vous déjà... Non, encore, mais moi, honnêtement, je serais vraiment partant. Moi aussi. Ah! Ouais, on en parle des fois, là. Ah, ouais, en tout cas. Okay. Ouais. Mais c'est ça, moi, c'est vraiment ça que ça a trigger quelque chose. Puis cet été-là, c'était l'été COVID, là, mettons, début, là. On dirait qu'on sortait, puis c'était... On sortait de la COVID, c'était la folie. Là. Fait que là, moi, genre, une orgie à 5, là, en comme, sortant de l'eau salée, là, c'était comme next level. Là. Hey, c'est bon, ça. Hey, ouais. Puis il avait pris une photo sur film vraiment hot de cette soirée-là. Une photo de soirée-là, c'est complètement indécent. Ouais, c'est indécent, mais c'est complètement. Hot. Avec tout le monde. Je la montrerai après. Ah ouais. C'est une photo de tout le monde. Ouais, tout le monde est genre plein de sueurs, plein de sperme. Ah non, mais il y a pas plein de sperme. On est juste dans des positions complètement indécentes. Ah, c'est on va la manquer une personne. Ouais, qui prenait la photo, malheureusement. C'est ça. Il n'y a pas de time. Mais moi, genre, voir mon chum à ce moment-là, comme avec d'autres mondes, j'étais comme, oh, pelle. Hot, tu m'as montré cette photo-là avant qu'on sorte ensemble. Mais j'étais tellement pas bien. C'est la soirée qu'on quand s'est je suis pas bien, c'est dans le bon sens. Là. Genre, je suis pas bien comme c'est « Oh my God, c'est hot ». La première fois qu'on a couché ensemble dans la même soirée, le début de la soirée, ça a commencé par on travaillait ensemble, il y avait personne dans le restaurant, puis on était genre « On se montre-tu nos nudes ?» Puis genre, ça a teasé toute la soirée. Je fais de la photo, puis tout, puis j'ai montré des petits polaroids, j'avais pris moi dans un miroir, puis là, tu sais, après, c'est comme une tension. C'est une bonne idée, ça. C'est sérieux, je pensais pas. Les nous que tu as fait dans ta vie. Je comprends pas. Puis, tu sais, à un moment donné, finalement, tu sais, on est un resto où il y a du monde qui rentrait. Tu sais, moi, je me suis levée pour aller voir le monde. J'étais comme, non, je peux pas. Moi, je travaille en cuisine, puis elle est en service. Fait qu'on devait genre se séparer, chacun notre bord de temps en temps. Ouais. Puis là, après, on a au party. Puis Will était là. Puis justement, lui, c'était là. Il avait commencé à se fréquenter. Puis là, t'avais demandé genre. C'est ça qui est cool. Tu sais, je suis juste allée voir Will. Je suis comme, hey, je pense qu'Exa va se voir. Ça se passe. Il était comme, cool, ok, bye. Ouais. Puis le lendemain, je suis arrivée chez nous, il y avait Will puis Lucie, puis j'étais comme, j'ai le check Xav. Puis il était comme, attends, mais genre, tu skippes des détails. Mais là, excuse-moi, là, moi. Non, là, ça, j'ai pas suivi. Excuse-moi, on est dans notre bulle, là. Non, c'est pas grave.
Dernière question, juste être sûr. À la fin, mettons, pour closer ça, mm-hmm. est-ce que c'est quoi le. Quelqu'un qui sait pas, là, c'est ça, c'est le genre de questions à liste. Quelqu'un qui sait pas, là, qui est pas sûr qu'il est polyamour, là, que, ouais. comme qu'est-ce que on peut. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour essayer de. Qui est pas sûr qu'il est polyamoureux, ben, qui veut faire ça, genre. Ouais. Ben, c'est sûr d'essayer ou. De lire là-dessus, moi, de voir. C'est ça. Ben, s'informer, c'est une vraiment parler, une bonne partie, mais juste, c'est ça, parler, tu sais, essaie, mais comme, laisse pas de choses ambiguës, tu sais, s'il y a des, tu sens que ça s'en va à quelque part, t'es pas à l'aise, comme, parlant à la personne que t'es ouais. avec, tu sais. Je pense qu'il faut pas avoir peur de blesser les gens, ouais, genre, c'est comme vraiment important, puis le... Les gens vont dire, non, on parle encore de communication, mais comme. C'est faut vraiment, ça, c'est il faut vraiment tuer ça, l'ego là. Un peu dans faut, ce. Exact, faut ouais. complètement tu te mettes genre. Faut que genre à côté. T'as un matraque, là. Mettons que t'es pas à l'aise dans une conversation, mais qui est importante, faut que tu l'ailles. Mm-hmm. Si, genre, tu penses que t'as le goût d'aller voir ailleurs, t'as le goût d'être en amour avec d'autres personnes, puis tu te dis pas, genre, fais-toi pas ça, ouais. C'est cave, là. C'est puis une façon de faire pour pas que ce soit malaisant, là, que personne le prenne mal. Puis t'es mieux d'en parler tout de suite que d'attendre puis que la personne soit blessée plus tard, tu sais. Oh, on faisait tellement bon. Parce que sinon, il y a juste parler de ça, plein de non-dits qui s'accumulent, puis ça vire en gros tas de merde, là. Ouais. Mais c'est ça, faut vraiment. C'est comme. J'ai envie de dire, la communication, c'est comme un muscle là, que tu travailles, là, puis il y a des gens, tu sais, qui. Mais c'est vrai, c'est vrai. Puis moi. Honnêtement, je pense que je suis rodée en esti avec la communication, puis il y a plus rien qui me fait vraiment peur de dire là, tant que ça là, des ou fois ou d'entendre aussi ou d'entendre, tu sais, je suis comme parfait, on dirait qu'il faut se mettre en mode justement tu tasses l'ego, tu te mets en mode rationnel, tu es comme parfait, dis-moi ce que tu as à dire, voilà. Je vais le prendre, puis après ça tu peux y penser puis avoir tes émotions, c'est correct là, mais je pense que d'écouter en premier de c'est cool. Merci full, hein. Merci tellement. Des très belles personnes. Merci. J'ai l'impression que c'était décousu un petit peu. C'était pas grave. Je trouve qu'on était bon. Non, on a tout suivi. Oui. On aimerait prendre, ben on j'aimerais parce que Lise n'est pas là, mais Lise, elle parle pour moi. On aimerait énormément remercier nos cunnilingus suprêmes qui sont fidèles à notre Patreon, qui nous aident à grandir puis à faire des podcasts encore plus. Fait que merci vraiment beaucoup. Votre vote compte énormément pour nous. Amélie Dubois, donc Charline Massé, Elsa. Gabrielle Savard-Dion, Gabrielle Paris, Carianne Gauthier-Turgeon, Lauriane Lepalme, Léa Veillette Duchesne et Charlie Citassi. Ah, j'aime ça ce nom-là. Fait que merci énormément et on remercie du fond du cœur à nos rois de l'orgasme, sans oublier. Alison Aubert, toujours au poste. Gabrielle B, mon amour, je t'aime. Portatrice studio, incroyable, mon ami, mon photographe, on l'aime. Sabrina Daou et Sophie, merci, on vous aime fort, 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 puis on vous embrasse. Bon podcast, amusez-vous. Une production du Studio SF.